Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Journée de Sport pour la 17e journée de championnat national, la toute dernière journée avant la trêve hivernale, une dernière journée pour voir le Paris FC se relever petit à petit dans ce championnat de 3e division. Les Parisiens qui sont toujours mal en point dans ce classement, 16e avec 17 points relégables juste derrière Épinal. Et toujours avec Belfort et Sedan dans cette zone de relégation, les Parisiens sont dans l'obligation de s'imposer ce soir face au CA Bastia qui est à la 5e place avec 25 points dans ce petit groupe composé de Chambly 3e, Dunkerque 4e et Quevilly 6e, obligés de s'imposer pour espérer dès ce soir sortir de la zone de relégation. Mais les Parisiens auront fort à faire face à l'une des meilleures équipes de ce championnat à l'extérieur, qui fait preuve aussi à domicile d'une régularité assez impressionnante et qui a même passé 4 buts à Créteil il y a quelques journées. Un morceau juste avant les fêtes qui n'est pas des plus simples à négocier pour cette équipe parisienne. Des Parisiens qui ont quand même su retrouver le chemin des défis et surtout de la victoire le week-end dernier. Ce week-end, ce vendredi, face à Belfort, victoire 2 buts à 0 sur la pelouse de l'avant-dernier de ce championnat national. Avec des buts inscrits par Laleïna Nomenjanari et Hervé Liboyer. Autant dire que la confiance revient petit à petit dans les rangs parisiens. Mais est-ce que ce sera suffisant pour affronter ce soir le CA Bastia? Réponse dans quelques minutes. En tout cas, du côté parisien, on enregistre le retour dans le groupe de Thomas Martin. Une nouvelle titularisation aussi de Vincent Demarconnet. Il a retrouvé la cage parisienne à Belfort avec cette grande réussite pour les Parisiens qui non seulement s'imposent mais en plus n'encaissent pas de but. Offensivement, cela fait du bien et ça fait aussi énormément de bien sur le plan défensif puisque les Parisiens ont pu se rassurer sur cette rencontre en tout point. Mais je vous le disais, l'adversaire du soir, le CA Bastia, va être véritablement un gros morceau à négocier. Cette journée qui se dispute intégralement aujourd'hui, ça a commencé à 18h avec avancé qui s'est terminé sur le score de 0 à 0, 0-0 aussi à la pause, match à 19h entre Concarneau et Avranches. Sur les autres terrains de National, nous aurons Chambly, Les Herbiers, Dunkerque, Rouen, Épinal 15e qui reçoit Pau le 13e, Béziers 14e qui reçoit le leader Boulogne-sur-Mer, Marseille Consola le 10e face à Belfort qui est donc 17e, et enfin le dernier Sedan qui reçoit l'US Créteil Lusitanos, qu'on a vu le week-end dernier faire un match nul de but partout assez miraculeux face à Avranches, des Cristoniens qui auront aussi besoin de points pour se relancer, se replacer aussi, puisque les Cristoliens, en étant 12e ce soir, sont aussi loin
de leur ambition de remonter qui est exactement la même que l'ambition parisienne. Pour l'instant, nous sommes quand même très très loin de ce à quoi on s'attendait dans ce début de saison avec les clubs franciliens en national, un championnat qui est plus que jamais ouvert, on va dire, cette saison. Et les clubs de la région Île-de-France ne profitent absolument pas pour le moment des opportunités qui sont laissées dans ce championnat. À eux de faire ce qu'il faut déjà ce soir, en particulier ici à Charletti avec le Paris FC, pour pouvoir grappiller, espérons-le, au moins deux places, ce qui ferait sortir les Parisiens de la zone rouge, et ensuite entamer une phase retour qui serait, on l'espère, complètement différente pour l'équipe entraînée par Reginald Rey et assisté par Mickaël Landreau. Composition des deux équipes, on commence naturellement par la composition parisienne avec, je vous le disais, Vincent Demarconnet de retour dans sa cage. Une défense qui sera composée ce soir de Romuald Marie, Hervé Liboyi, le capitaine, Ousmane Sidibé. Milieu de terrain, nous retrouverons Eden Massouema, Jean-Baptiste Pierazzi, Laïna, Nomen Janari, Eden Massouema et enfin, sur le plan plutôt offensif, Rodrigue Bongongui qui a tour dans l'équipe titulaire le week-end dernier. Beigné, Maguette Diongué, Dominique Pandore, Pierre-Étienne Lemaire, Antonin Bobby. Les remplaçants désormais du côté du Paris FC avec deuxième gardien Alan Momège, non plus de Thomas Opic, Thomas Martin, Jonathan Anizayamo, Makamari et enfin Cissé sur le banc. Bastier, Jean-Daniel Padovani, deuxième gardien Jean-François Grimaldi, Cliven RL qui a été buteur le et enfin Mouyou Kolo sur donc le banc Bastier, le banc entraîné par Stéphane Rossi. Le coup d'envoi de cette rencontre va être donné par le CA Bastia avec un maillot blanche, cette blanche short du Paris FC, tenue domicile habituel. Hein. Les Parisiens sont votre droite. On n'attend plus que le coup d'envoi et surtout que les trois arbitres soient prêts. Au centre, Cédric Dos Santos, assisté de Messieurs Ergun Yazar et Julien Blanchet. A noter que l'observateur des arbitres ce soir n'est autre qu'un ancien grand sifflet du football français, Monsieur Alain Sars. Et dans un stade Charletti qui continue de se remplir petit à petit, le CA Bastia vient de donner donc le coup d'envoi de ce match de la 17e journée de championnat national, dernière journée de la phase aller, dernière journée avant la trêve hivernale pour que les Parisiens sortent enfin de la zone de relégation. Cette équipe parisienne qui a tant déçu lors de la première partie de saison en championnat national doit absolument se reprendre ce soir et confirmer, surtout confirmer sa victoire du week-end dernier face à Belfort. La confirmation attendue avec des conditions de jeu dignes du stade Charletti sur cette fin d'année, digne de la fin du mois de décembre, avec le bon crachin habituel, le froid, la petite brise qui tombe dans les tribunes et surtout les chants parisiens que vous pouvez entendre, des chants parisiens qui résonnent tout de même. On a la bonne trentaine voire quarantaine de supporters ultra parisiens présents désormais au milieu de la tribune Nation pour encourager son équipe. Par contre, le reste de la tribune est extrêmement clairsemé. Si on atteint 200-300 spectateurs ce soir, ce sera déjà une très bonne chose. Avec les Parisiens qui sont à l'attaque, un ballon qui était dans les pieds de Saïf Edine à l'ami Baza, légèrement bousculé dans la moitié de terrain adverse. Il obtient le premier coup franc pour le Paris FC, une minute 10 de jouer dans cette rencontre. Et c'est le premier buteur le week-end dernier qui va sûrement se charger de frapper ce coup de pied arrêté. En l'occurrence, la Laïna Nomen Janari qui s'est présenté autour du ballon et à une bonne trentaine de mètres de la cage de Geoffrey Baltus. On va de suite avoir beaucoup de monde dans la surface de réparation comme Hervé Liboyi, buteur du 2-0. Ballon juste en travaillant dans la surface vers Hervé Liboyi, bien envoyé par la défense Bastiaise. On reviendra derrière avec Bongongui pour une première tentative, une demi-volée qui... va certes passer assez nettement au-dessus de la cage Bastiaise, de la cage de Geoffrey Baltus, mais on a déjà une première opportunité pour les Parisiens, très entreprenant dès le début de cette rencontre, et c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose de voir cette équipe parisienne tenter sa chance assez rapidement. Ça prouve les véritables intentions de l'équipe de Reginald Rey, une équipe placée assez haut d'ailleurs dans sa moitié de terrain pour commencer cette rencontre. Attention, Geoffrey Baltus en difficulté sur une passe en retrait de Maxime Joss. Un ballon finalement dégagé par le portier directement sur Romuald Marie qui est donc arrière gauche ce soir puisque Ousmane Sidibé est titulaire donc sur le côté droit.
Le ballon pas très bien négocié ensuite par la défense parisienne. Une première rentrée de jeu obtenue offensivement sur le côté droit. L'entrée de jeu naturellement effectuée par Pierre-Etienne Lemaire. L'arrière 3 du CA Bastia dans la profondeur. Ça part dans le dos de Romuald Marie. Dos au jeu. Marie va tout de même revenir et concéder la rentrée de jeu face au Marc Camara. On va retrouver Pierre-Etienne Lemaire quasiment au niveau du poteau de corner. Toujours avec l'un de ses partenaires. Cette fois-ci, c'était Jackson Mendes qui s'était faufilé dans le dos de la défense. Et nouvelle touche pour les Bastiais. Une touche effectuée toujours par Lemaire et ballon finalement dégagé par la défense parisienne. On va retrouver Demba Camara en appui qui perd finalement le ballon. La récupération très rapide de l'ancien Nîmois Antonin Bobichon. Et nouvelle touche pour le CA Bastia. Les Bastiais qui sont bien remontés dans le camp parisien depuis quelques instants et qui obtiennent une quatrième touche de rang. Toujours Lemaire pour une cinquième finalement. Belle intervention de la part de Lalaina Nomenjanari. Et Lemaire pour cette nouvelle touche qui peut s'appuyer encore une fois sur Camara. Lemaire, un centre tendu qui est prolongé de la tête par Avili Bouillot au second poteau. Est-ce que Dominique Pandor va récupérer le ballon? Et c'est fait avec le numéro 11 Bastier. Dominique Pandor qui a une grande histoire avec, avec le Paris. On aura le temps d'y revenir avec surtout un centre très long à l'entrée de la surface de réparation capté par Vincent de Marconnet. La relance rapide pour l'Alena Nomenjanari. 4ème minute 0-0 entre le PFC et CA Bastia. Et Nomenjanari peut s'appuyer tranquillement sur Demba Camara sur le côté gauche. Demba Camara pour travailler, revenir dans le cœur du jeu avec Nomenjanari et finalement temporiser en retrait avec l'ancien de l'AC Ajaccio, Pierazzi. Romain Marie désormais sur la gauche. Qui passe à une médiane, il revient sur son pied droit pour jouer sur Alami Baza. Alami Baza qui crochette, qui revient légèrement dans le cœur du jeu, toujours en appui sur ses partenaires. Cette fois-ci, c'était, me semble-t-il, Eden Maswema pour proposer un appui avant d'avoir un long ballon proposé par Frédéric Bonger, renvoyé par la défense sur Eden Maswema. Côté gauche, Romuald Marie, possession de balle, grosse séquence de possession de balle des Parisiens depuis quelques instants avec toujours Romuald Marie qui revient sur son pied droit. Romuald Marie toujours entre les surfaces de réparation qui peut décaler Nomenjanari sur le côté gauche. Il prend le temps de contrôler, de centrer du pied gauche, ça aurait pu arrivé sur une tête parisienne, mais c'était arrivé vers Rodrigue Bongongui, qui fait pas plus d'1m70 sur les ballons comme celui-ci. De la tête, c'est assez compliqué pour le numéro 7 parisien, qui voit ce ballon passer juste au-dessus de lui, et finalement, il ne peut même pas le récupérer au second poteau, ni même l'un de ses partenaires. C'est un renvoi 5m50 pour Geoffrey Baltus, portier titulaire du CA Bastia, même en Coupe de France, on a vu Geoffrey Baltus cette saison. Il va demander de suite à son bloc de remonter au niveau de la ligne médiane pour jouer son renvoi 5m50 très long vers Jackson Mendes. Même Camara. Camara qui peut garder le ballon dans le cœur du jeu. Ballon qui est finalement prolongé par l'ancien Amiénois Romain Beignet. Ça reviendra sur Aveli Boyi. Nouveau dégagement cette fois-ci, c'est Pierazzi. Un dégagement qui devrait arriver directement dans la surface de réparation bastiaise, à moins que Demba Camara n'arrive à embêter cette défense, ce qui est fait. Et ça profitera pas à Seyfedine, à l'ami Baza, ni même derrière à Nomenjanari, qui va conseiller la touche. Un très très long ballon qui aurait pu vraiment profiter aux Parisiens. Demba Camara a utilisé son jeu de corps pour vraiment peser sur la défense centrale et sur Maxime Joss à l'instant. Et finalement, les Bastiais sont dégagés. Mais on revient toujours avec les Parisiens suite à cette touche. Hervé Liboy peut remettre à une trentaine de mètres du but sur Alami Baza. L'ami Baza qui obtient un coup franc pour une petite semelle de Romain Beignet. Romain Beignet qui est un joueur très expérimenté à ce niveau, hein. Il l'a très bien connu avec l'Amiens SC. Après quelques saisons à Amiens, il est arrivé directement au CA Bastia, plus vraiment de temps de jeu, de possibilités dans l'équipe amiennoise. Chouatny lui faisait encore confiance quand il était à Amiens avant d'avoir l'arrivée de Christophe Pélissier et d'être vraiment barré dans le club Picard. Allez, ce coup franc qui est joué à deux. On arrive sur la droite de la surface avec un jeu long finalement facilement renvoyé par la défense bastiaise et renvoyé par Yann Le Picard. Solution pourquoi pas dans les pieds de Pandore. Ballon qui va traîner au milieu de terrain. Gros pressing de la part des Parisiens. Petite fausse sur Bongui, mais finalement le jeu va se poursuivre sur la droite avec Seyfedine Alami Baza qui est à nouveau bousculé. Et cette faute commise par Antonin Bobichon n'échappe absolument pas à Monsieur Los Santos, qui a eu la chance d'arbitrer quelques gros matchs cette saison de National, notamment le Chambly-Châteauroux, qui s'était soldé par un score de 0-0, l'un des meilleurs sifflets de cette troisième division. Il n'a pas hésité un seul instant, il laisse l'avantage sur la première faute commise par Antonin Bobichon avant de revenir à la faute sur Seyfedine Alami Baza.
une bonne trentaine de mètres au même endroit d'ailleurs qu'à la première minute, plutôt à la deuxième minute, avec le coup franc qui est donné à la frappe de Rodrigue Bongui. Cette fois-ci c'est très dans la surface, on revient encore une fois après un dégagement sur Bongui à 25 bons mètres. Bongui bien chassé par les joueurs du CA Bastia. Il est obligé de revenir en défense centrale et l'appui trouvé sur Ousmane Sidibé. Plutôt efficace pour repartir sur le côté gauche avec Romuald Marie. Qui va plutôt s'appuyer sur un Veliboyi. Frédéric Bong. Frédéric Bong se rapproche de la ligne médiane, plein axe. Il va finalement décaler Ousmane Sidibé. Et Sidibé par contre sur sa passe verticale au sol ne trouvera qu'Antonin Bobichon qui remet malheureusement pour lui dans le pied de Pirazzi. Et Pirazzi manque aussi son changement de jeu. Changement de jeu qui est arrivé directement sur un Bastier. Pas beaucoup de réussite. Et finalement Magui Diong avait pu rejouer dans son couloir droit. Le ballon qui a été dégagé en touche. Nouvelle touche donc pour Romuald Marie. 9ème minute. Et 0 à 0 entre le PFC et le CA Bastia. La touche pour Romuald Marie. Qui a retrouvé un appui sur Demba Camara avant d'avoir Saïf Edine Nami Baza qui garde le ballon, qui essaye de décaler un partenaire sur la gauche de la surface de réparation et aucun risque de prix. Encore une fois par Dominique Pandore, bien revenu en couverture dans sa surface de réparation. Une couverture qui permet au Bastier d'écarter le danger quelques instants. Romuald Marie toujours dans le camp adverse, quasiment au poteau de corner pour effectuer une nouvelle touche offensive. Avec trois partenaires disponibles, Nomen Janari, mais surtout Camara dans la surface qui ne peut reprendre le ballon de la tête. Ça a été renvoyé par la défense centrale avant que ça revienne justement sur Nomen Janari. Nomen Janari qui lui aussi hein, utilise très très bien son physique. Ça a encore une fois marché sur Pierre-Étienne Lemaire, l'arrière droit du CA Bastia. Romuald Marie va encore une fois chercher l'option Camara sur cette touche. Ballon dégagé par les Bastilles directement sur Sidibé à 40 bons mètres. On reviendra sur le côté gauche avec Hervé Liboyi qui tenait la position de latéral avant d'avoir un jeu long vers Camara. Camara qui fait une petite faute d'ailleurs stupide, hein, qui décolle légèrement le bras, légèrement le coude là sur son adversaire. Elle va un petit peu mieux à faire quand même hein, de la part de Demba Camara sur ce duel face à Le Maire. Et les Bastiens vont pouvoir respirer quelques instants à la 10ème minute avec ce danger écarté. Parce que le coup franc est joué par Jeffrey Baltus directement dans le camp adverse. Et ça profitera à Nomen Janari. Déviation un petit peu manquée là dans le cœur du jeu de Jackson Mendes. Attention quand même à cette perte de balle de Masuema qui commet la faute sur Dominique Pandore. Attention à ce coup franc à 25 mètres plein axe du but de Vincent de Marconnet. Quoique légèrement décalé sur la gauche. Eden Masuema vraiment pris de vitesse là, sur cette perte de balle au milieu de terrain. Vraiment en plein cœur du jeu. 35 mètres plein axe, une passe pas assez appuyée. Dominique Pandore qui surgit pour récupérer le ballon dans les pieds du joueur parisien qui dans la foulée commet une faute, un petit croc en jambe largement suffisant pour déséquilibrer et faire tomber le numéro 11 du CA Bastia. Et Dominique Pandore qui permet à ses partenaires d'obtenir un excellent coup franc. Oui, 25 bons mètres on va dire du but de Vincent de Marconnet. Coufranc qui va partir directement dans les gants du gardien. Et Coufranc qui était frappé par Antonin Bobichon. Assez simplement pour Vincent de Marconnet, c'était enroulé, brossé au premier poteau. Voilà, suffit de deux petits pas pour que le gardien parisien qui était titulaire en début de saison puisse capter ce ballon. On reviendra quand même avec les Bastiers dans le camp parisien et on reviendra surtout avec un coup franc obtenu par Jackson Mendes. Petit crochet intérieur qui mène Nomen Janari dans le vent et surtout le pied de l'international malgache qui traîne légèrement sur le joueur adverse. Et nouveau coup franc obtenu par les Bastiers. Encore une fois Antonin Bobichon pour le frapper. Cette fois-ci on est nettement plus loin de la cage de l'expérimenté gardien parisien, on va dire 35 mètres, bien sur la droite, face au banc, justement, du Paris FC, et coup franc frappé dans la surface sur la tête de Dominique Pandore, qui était en position de hors-jeu, ballon qui était pourtant bien travaillé par Bobichon. Dominique Pandore était parti assez tôt, assez vite. La défense parisienne n'a pas du tout été surprise. La position de Dominique Pandore, drapeau se lève très rapidement et le jeu
reprend avec, encore une fois, Hervé Liboguet et Frédéric Bong pour écarter sur la droite avec Ousmane Sidibé. Sidibé avec Bong. Il va encore une fois décaler le jeu sur la gauche avec Hervé Liboguet. Hervé Liboguet par contre qui a voulu accélérer vers Nomen Janari. Un bloc au milieu de terrain qui s'était complètement éclaté en deux. Une passe contrée, mais on revient quand même avec Masuema. Transmission de balle encore une fois manquée. Ballon gratté rapidement au milieu de terrain par le maire qui s'était décalé dans l'axe. Les précipitations aussi chez les Bastiais. On revient derrière avec Vincent Demarconnet. Hervé Liboguet servi par Frédéric Bong. Avancer sur la ligne médiane, il lève la tête, il décale finalement sur sa gauche. Romain Marie manque de vitesse cependant pour l'ancien du Red Star. Il peut quand même jouer long vers la poitrine de Demba Camara qui demandait un peu plus de mouvement, notamment de la part de Nomed Janari pour rejouer dans l'espace. Ballon qui est arrivé assez directement sur la défense centrale, sur Quentin Lacour. Et dégagement rapide qui est arrivé sur Hervé Liboguet. Encore une fois avec Romain Marie. On cherche énormément ce côté gauche depuis le début de la rencontre pour éventuellement rejouer dans la profondeur et rejouer sur Demba Camara qui pèse sur la défense, qui pesait à l'instant sur Maxime Joss. Un ballon qui a été finalement dégagé par la défense directement sur Romain Marie. On revient dans le cœur du jeu avec Maguette Diong. Récupération du ballon, il n'y avait pas de faute des Parisiens. Et bon, Guy va un peu trop pousser ce ballon. Dégagement de Joss dans le rond central avec Sidibé qui remet dans les pieds de Masuema. 40 mètres du but, plein axe. On va essayer de rejouer dans la profondeur sur le côté gauche avec Demba Camara qui n'arrivera pas à sauver ce ballon. Ça flirte avec le poteau de corner. Et c'est surtout en vaut 5,50 m pour Geoffrey Baltus. On a vu quand même quelques déplacements intéressants de Demba Camara sur cette première période du jeu assez long par séquence du côté parisien, des Parisiens qui préfèrent surtout utiliser le côté gauche tenu ce soir par Romuald Marie, utiliser ce couloir pour mettre un peu plus de vitesse, un peu plus de mouvement. Et Baltus dégage même sur ce côté gauche offensif parisien, ce qui permet Romuald Marie de monter très vite sur le porteur du ballon pour bloquer le couloir, pour fermer les espaces. Ça a mis un petit peu en difficulté Jackson Mendes à l'instant, alors qu'on arrive à la 15e minute de jeu et qu'on est toujours à 0-0 entre le Paris FC et le CA Bastia. Match de cette fin de la phase aller ce soir, un match qui a commencé à 18h et qui est donc terminé Châteauroux-Lyon-Duchère 0-0. Même score entre Concarneau et Avranches. Nous sommes en seconde période et dans des matchs qui ont commencé à 20h, déjà deux buts. Le premier du côté de Béziers avec l'AS Béziers qui mène 1-0 face à Boulogne-sur-Mer. Petite surprise déjà dans ce début de la 17e journée. Et l'autre but inscrit c'est par Quevilleron en métropole à Dunkerque, couverture du score de série à la 5e minute. Sur les autres terrains, 0-0 entre Chambly et les Herbiers, entre Sedan et Créteil, et donc entre Marseille-Consola et Belfort, sans oublier notre Paris FC, c'est à Bastia. On revient au jeu avec une nouvelle possession parisienne, possession avec la défense centrale. On a énormément de redoublements de passes pour le moment entre les défenseurs centraux parisiens. Beaucoup de combinaisons avant de jouer un petit peu plus long, tant les Bastiais sont assez consistants au milieu de terrain. Et on sent déjà un petit peu de précipitation du côté du Paris FC, avec peu de ballons à négocier. Par exemple, pour Jean-Baptiste Pierre a dit, on voit beaucoup plus Eden Masuema redescendre et proposer quelques solutions dans du jeu un peu plus direct. Peu de passes au milieu de terrain et beaucoup plus les défenseurs centraux qui sont mis à contribution sur ces séquences de conservation et surtout de construction avant de s'impatienter et de jouer très long vers Demba Camara qui propose une alternative plutôt physique dans l'axe de la défense bastiaise, avec un jeu qui surtout glisse un tout petit peu trop sur le côté gauche de Romuald Marie. Alors les Bastiais attaquent aussi beaucoup plus sur ce couloir. Pour le moment on est vraiment cantonné à cette zone des bancs de touche. Sauf, naturellement, quand les défenseurs centraux décident de redoubler. Parce que maintenant, Hervé Liboguet qui décide de repartir plutôt sur la droite avec Frédéric Bon, qui demande beaucoup de soutien à ses partenaires. Et on a le soutien à seulement 10 ou 15 mètres. Ça empêche forcément les joueurs du Paris FC rejouer sur du jeu un petit peu plus court. Et ça contraint surtout Pierradi à revenir au niveau de ses défenseurs centraux pour toucher quelques ballons. Comme à l'instant, et surtout pressé par les attaquants Bastiais, est obligé de rejouer sur Frédéric Bon qui écarte sur Romain Marie.
avec Bongi désormais dos au jeu et surtout désormais sur le côté gauche qui profite du bon travail de Maswama pour revenir dans l'axe avec un décalage proposé par Nomen Janari après une très belle passe de Demba Kamara. On arrive sur un droit de la surface de réparation avec cette frappe d'Ousmane Sidibé, une frappe limpide à terre qui est bien renvoyée par Jeffrey Baltus, premier tir cadré de ce match à la 18e minute et c'est le deuxième tir parisien de la rencontre. Et belle opportunité là pour le Paris FC. Ce jeu un petit peu plus direct sur Demba Kamara. La remise juste derrière pour Nomen Janari qui peut écarter directement sur un droit de la surface de réparation avec la montée d'Ousmane Sidibé. Une bonne frappe du pied droit au premier poteau renvoyé par Jeffrey Baltus. Et sur la touche, les Bastiers perdent le ballon. C'est pour Alami Baza. Encore une fois en retrait. Cette fois-ci, c'est pour Sidibé qui prend le temps de centrer. Et son centre est contré surtout par un joueur Bastier. Donner le premier corner de ce match pour le Paris FC. Premier corner juste après le premier tir cadré. Ça a donné surtout l'occasion là, aux supporters parisiens de pousser encore un petit peu plus. Avec Domen Janari, l'ancien du Stade Félix Bollard, pour frapper ce corner rentrant avec son pied gauche. Et Geoffrey Baltus un peu contesté dans les airs qui va finalement obtenir un coup franc. Petite faute de Demba Kamara sur le portier du CA Bastia. Plus de peur qu'une mal pour les joueurs de Stéphane Rossi. Arrivé à la 19e minute. Donc déjà quelques opportunités pour le Paris FC dans le jeu, mais aussi sur les phases arrêtées. Avec un Romuald Marie conquérant qui peut redonner le ballon à Rodrigue Bongi, un petit peu court finalement pour revenir dans l'axe sur Demba Kamara. Bon retour de la part d'Antonin Bobichon. Et Baltus qui peut renvoyer assez sereinement ce ballon sur sa gauche et qui sollicite son défenseur central Quentin Lacour, qui va lui aussi préférer le jeu long, le jeu très long qui arrive sur la tête de Frédéric Bong au duel avec Jackson Mendes. Et le contre favorable pour les joueurs parisiens. Et la touche pour Ousmane Sidibé qui sera devant sa surface de réparation sur le côté droit. Sidibé pour une rentrée de jeu qui n'était pas très régulière. Mais Monsieur Dos Santos est plutôt clément et va laisser le jeu se poursuivre avec un ballon dans les pieds d'Eden Maswema. Maswema sur le côté droit qui a voulu rejouer très long vers Saifedine Alami Baza. Ballon renvoyé assez facilement de la tête par Maxime Joss. Avant que Maswema ne le récupère après une tête complètement manquée de la part de Maguette Djongue. On revient donc dans le cœur du jeu avec Pirazzi qui peut décaler sur la gauche Romain Marie. Et peut-être un bon coup à jouer du côté parisien si Marie va accélérer un petit peu plus le jeu. Elle a préféré attendre que ses partenaires soient un peu mieux placés aux abords de la surface bastiaise pour pouvoir glisser le ballon vers Alami Baza. Alami Baza un peu court mais qui obtient une touche après le bon retour de Romain Beignet. La rentrée de jeu donc pour Marie avec un ballon qui est protégé finalement par Rodrigue Bongi pour essayer d'obtenir pourquoi pas un corner. C'était bien tenté de la part de Rodrigue Bongi, ballon qui a été finalement dégagé par les Bastiais. Et on revient quand même à l'entrée de la surface de réparation, ou presque, avec Alami Baza qui était revenu dans le couloir gauche sur Romain Marie. Et Marie, lui, fait preuve d'un petit peu plus de patience. Il revient donc derrière avec Hervé Liboyi et Frédéric Bong dans le rond central pour remettre à son capitaine sur sa gauche. Hervé Liboyi joue un petit peu plus vite au sol, vers l'avant, vers Demba Kamara. C'est dégagé sur Maswema dans le rond central. Liboyi sur sa gauche. Essayer de trouver un petit peu plus d'espace hein, dans cette défense bastiaise. Et c'est pas forcément avec beaucoup de jeux longs que les Parisiens vont pouvoir trouver quelques solutions. Surtout si les Bastiais se projettent assez rapidement en contre en utilisant la vitesse de Dominique Pandore. Ça a été tenté à l'instant. Perte de balle de Pandore et surtout la faute dans la foulée d'Oumar Kamara. Petite obstruction sur Eden Maswema, la 22e minute. Léger tirage de maillot. Mais suffisant pour commettre cette petite faute alors qu'un joueur parisien reste au sol à quelques mètres de Romain Marie qui était prêt à effectuer la touche. Et c'est même un changement qui va être effectué du côté parisien. C'est Ousmane Sidibé qui était au sol et qui sort donc sur blessure à la 22e minute. Et remplacé par Makamari. Un véritable coup dur là pour les Parisiens que de perdre Ousmane Sidibé aussitôt dans cette rencontre et surtout pour blessure. Premier changement du match avec donc Ousmane Sidibé qui sort sur blessure et qui est remplacé par Makamari. Makamari qu'on a surtout vu cette saison lors des matchs de coupe, notamment de coupe de la Ligue face au FC Metz. Les Parisiens qui étaient passés tout près de l'exploit face à l'équipe entraînée par Philippe Insberger qui ont finalement été éliminés lors de la séance de tir au but.
Et premier ballon pour Makamari sur son côté droit. Il s'embête absolument pas. Il remet de suite franc à gauche pour un Villibrier. Le temps de mettre ses gants et d'être idéalement placé dans son couloir droit. Frédéric Bong peut rejouer d'ailleurs directement sur Makamari dans son couloir qui va jouer un petit peu long vers Alami Baza. Alami Baza qui est bien gêné sur la ligne de touche par Yann Le Picard. Et les Bastiais, par contre, petit jeu en triangle sur le côté, ça ne fonctionne absolument pas. Perte de balle à 40 mètres du but, on revient dans l'axe avec Pierre côté parisien, qui évite le retour de Dominique Pandore. Eden Masruma qui cherchait Rodrigue Bongi, petite glissade de Bongi et récupération de Quentin Lacour. Et le jeu finalement écarté par Dominique Pandore directement sur le côté droit pour aller retrouver Jackson Mendes. Jackson Mendes en appui sur Camara qui a voulu rejouer avec Pandore en retrait, la déviation d'une touche de balle. Son grande réussite, tentée un petit peu plus tôt d'ailleurs hein, par un parisien qui était Demba Camara. Et monsieur Cédric Dos Santos va d'ailleurs laisser l'avantage pour une faute qui avait été effectuée un instant par Omar Camara. Le tacle en retard sur Eden Masruma, alors que la pluie ici au stade Charletti est toujours aussi habituelle que celle-ci. Le bon crachin, le vent tourbillonnant qui revient d'ailleurs dans notre tribune couverte. On a un petit peu l'habitude finalement dans ce stade Charletti, on ne change pas les bonnes habitudes, les traditions dans ce stade en Ligue 2, mais surtout en National. Charletti n'aura connu qu'une saison en la Ligue 2, je vous rappelle, hein, puisque les Parisiens étaient promus l'an dernier, ont battu le record de série sans victoire dans ce championnat, ont terminé avec seulement 4 victoires en 38 journées, dont une significative, c'était à Beauvais face au Red Star. Une victoire qui avait complètement cassé la dynamique du club rival, du club ennemi, alors que Romel Marie essayait de glisser un centre dans la surface, un centre qui était à destination de Saïf Edine, Alami Baza. Un long centre qui ne donne rien à part un vaut 5,50 m pour Geoffrey Baltus, 25e minute. Et donc, toujours ce score de 0 à 0 entre le Paris FC et le CA Bastia. Allez, renvoi de Baltus qui va amener un coup franc juste après la ligne médiane, complètement sur le côté droit. Petite faute de la Laïna Nomenjanari qui a été commise sur Jackson Mendes. Et le coup franc qui est joué en retrait par Pierre-Etienne Lemaire pour revenir sur Quentin Lacour. Quentin Lacour, ouh, qui a un peu de réussite dans un premier temps, mais pas dans un second. Ça donc passe au sol qui arrive sur le côté gauche sur Lalaina Nomenjanari qui prend le temps de repiquer, qui prend le temps de rejouer. Planax avec Demba Camara qui n'a pas réussi à remettre ce ballon dans l'espace, dans la profondeur sur Eden Masuema. Il y avait une si belle opportunité et en contre pour les Parisiens. Il a manqué un peu de justesse technique dans la transmission du ballon, dans la dernière passe de Demba Camara, alors que les Bastiais ont pour une fois laissé un petit peu d'espace. Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage de manquer une telle opportunité du côté parisien. Il y avait vraiment bien bien mieux à faire sur cette action. Surtout que pour une fois le jeu direct aurait pu être très intéressant. Paris FC en tout cas continue de travailler son adversaire, continue de garder ce ballon sur le côté droit avec Makamari qui obtient une touche dans le camp adverse. C'est effectué en retrait sur Frédéric Bong, une rentrée de jeu un petit peu étrange encore. Voici, ce n'est pas Sidibé qui, je vous rappelle, est sorti sur blessure à la 22e minute, remplacé justement par Makamari. Un ballon qui était quasiment pas rentré dans le terrain tant il flirtait avec la ligne de touche. Camari aura cette fois-ci l'occasion d'en effectuer une meilleure, non, puisque finalement c'est lui qui est contre le ballon en dernier, complètement à notre opposé au duel face à Madiet Djongué. Il ne parvient pas à conserver ce ballon. La rentrée de jeu pour Yann Le Picard. Rentrée de jeu qui est arrivée directement sur Camara qui perd le ballon et les Parisiens vont essayer de procéder encore une fois en contre avec un ballon écarté directement sur Romel Marie sur le côté gauche. Romel Marie qui est droitier et qui préfère revenir justement sur son pied droit dans l'axe avec Masuma qui s'était proposé. Désormais Nomenjanari pour revenir dans le couloir opposé avec Makamari. Passe en retrait pour Pierradi, toujours à 40 bons mètres du but. Nomenjanari, Pierradi à nouveau qui lève la tête. Il voit Makamari disponible à droite, bien pressé tout de même par les joueurs Bastiais.
notamment Antonin Bobichon et le Picard. Il est obligé de revenir derrière avec un ballon écarté par Liboyi sur la gauche pour Romuald Marie. Et la touche obtenue par Rodrigue Bongui. Les Parisiens se replacent et ne pensant pas obtenir la rentrée de jeu offensive. Finalement, ils l'ont et c'est joué rapidement par Romuald Marie avec Nomen Janari qui tente de rejouer sur Rodrigue Bongui. Nouvelle glissade là de Bongui qui va tout de même au pressing sur Jackson Mendes pour bloquer le joueur Bastier. Et concéder une touche qui va être effectuée par Pierre-Étienne Lemaire. La touche qui est arrivée sur Mendes. Camara toujours en appui, toujours bien disponible. L'attaquant de pointe qui est surtout vu là sur le côté droit, qui perd le ballon. Et c'est Bongui qui fait l'effort là pour conserver ce ballon. Accélère un petit peu le jeu et Nomen Janari qui ne parvient pas à glisser le ballon directement sur la droite avec la présence de Makamari. C'est finalement un centre de Saïf Edilami Bazin qui a traîné dans la surface de réparation. C'était très très mal dégagé par les joueurs Bastier. Et c'est revenu sur Camara qui va finalement voir sa frappe être contrée par justement Pierre-Étienne Lemaire qui avait manqué ce dégagement. Et il faut profiter, il faut vraiment profiter du côté parisien de toutes ces approximations bastiaises. Tout à l'heure, c'était un long ballon de Le Picard qui était revenu dans le cœur du jeu et le contre qui était mal négocié. Cette fois-ci, c'est carrément un ballon donné dans la surface de réparation. Allez, les Parisiens attaquent avec Saïf Edilami Bazin pour un centre tendu dans la surface. Et bien envoyé par Geoffrey Baltus qui concède la touche à l'opposé sur le côté droit avec Makamari. Les Parisiens sont plutôt dominateurs tout de même dans cette première période. On est à la 29e minute. Et Paris FC à l'attaque avec un Parisien dans la surface de réparation qui n'est autre qu'Eden Masrouma qui va finalement revenir en retrait avec Makamari. Makamari avec Pierazzi obligé de revenir dans le rond central avec Jean-Baptiste Pierazzi qui voit Romuald Marie disponible. Il glisse le ballon toujours sur le côté gauche. Rodrigue Bongui. Bongui revient légèrement dans l'axe avec Alami Baza. Alami Baza légèrement bousculé dans le dos par Antonin Bobichon. Et Monsieur Dos Santos siffle en faveur des Parisiens. Et Nomen Janari va de suite prendre le ballon pour effectuer le coup franc. Encore une bonne opportunité. Surface arrêtée pour le Paris FC. Avec Alami Baza qui vient lui aussi près de ce ballon. Ce sera un petit peu plus logique que ce soit le numéro 18 qui joue le coup franc. Et ce sera bien lui. Avec un angle bien meilleur. Coup franc plutôt rentrant. Et ce ballon qui est bien travaillé au niveau du point de pénalty. C'est mal renvoyé par la défense du CAB. Et finalement Baltus fait l'effort le long de la ligne pour aller capter ce ballon. 30 minutes de jouer au stade Charletti. Toujours ce score donc de 0 à 0 entre le PFC et le CA Bastia. Sur les autres pelouses, à noter l'ouverture du score de Concarneau à la 59e avec un but inscrit par Corée. 1-0 pour Concarneau face à Avranches. Match qui a commencé à 19h. Il reste un gros quart d'heure à jouer. Toujours 0-0 entre Chambly et les Herbiers, entre Sedan et Créteil, entre Marcy-Consola et Belfort. Mais deux buts ont été inscrits à Béziers. Béziers mène désormais 2-1 face à Boulogne-sur-Mer. Boulogne avait pourtant égalisé à la 22e minute. Et Béziers a repris l'avantage dans la foulée. Allez, on revient au jeu ici au stade Charletti, 0-0 entre le Paris FC et le CA Bastia. 17e journée de championnat national, dernière journée de la phase. Allez, ballon dans les pieds de Jean-Baptiste Pierazzi sur la droite, derrière la ligne médiane qui allonge vers Demba Camara. La déviation de la tête de Demba Camara reviendra finalement sur le côté droit de la défense bastiaise. Mais bel effort de Romuald Marie dans les pieds de Camara pour empêcher le numéro 21 du CAB de progresser sur cette pelouse en plutôt bon état de Charletti. Le CAB obtient une touche. Ballon finalement perdu par Dominique Pandore face à Hervé Liboyi. Liboyi revient directement dans sa défense centrale avec Frédéric Bong. Makamari qui remet sur Fred Bong devant sa surface de réparation et devant surtout Vincent Demarconnet. Vincent Demarconnet qui n'a eu qu'un seul ballon à jouer ce soir. Plutôt tranquille le retour de Vincent Demarconnet dans la cage parisienne à Charletti. Puisqu'il n'a eu qu'un ballon à capter. C'était un coup franc d'Antonin Bobichon à 25 bons mètres de sa cage. Un coup franc travaillé. Mais absolument pas dangereux. Et Bastier pas énormément le ballon pour l'instant dans cette rencontre alors qu'il reste moins de 15 minutes à jouer.
et qui vont avoir une opportunité. Tiens, si ce ballon est transmis d'une manière correcte par Camara, finalement ça ne l'est pas. Facilement intercepté par la défense parisienne. Romain Beigné un peu chahuté au milieu de terrain par un très bon pressing de Camara aussi. De Alami Baza, c'est un ballon qui reviendra finalement grâce à Yann Le Picard dans les pieds de Maxime Jos qui a pu dégager vers son attaquant Camara. Ballon qui est finalement récupéré par Hervé Liboyi. Massouema en retrait avec Pierre Hadi. Les Bastiens ne cherchent même pas à presser les attaquants, plutôt les défenseurs, pardon, parisiens. On laisse Pierre Hadi s'occuper de la relance assez tranquillement, de venir prendre les ballons de défense centrale et faire remonter le bloc équipe avec notamment Frédéric Bong qui a voulu jouer très rapidement au sol, loin devant vers Alami Baza. Et c'est encore une fois un ballon rapidement, même trop rapidement perdu par les joueurs parisiens qui se précipitent vraiment lorsqu'il s'agit de retrouver les joueurs offensifs, que ce soit Alami Baza ou bien Demba Camara. On aurait quand même bien mieux à faire hein, pour cette équipe parisienne qui arrive à trouver quelques espaces dans le dos de la défense bastiaise, mais qui peut-être en construisant davantage, en gardant un petit peu plus le ballon dans les pieds et en jouant des passes un peu plus courtes, les Parisiens pourraient sûrement retrouver de meilleures opportunités. Ils ont su s'ancrer dès la deuxième minute. N'ont pas assez profité aussi des ballons offerts, on peut le dire, par les Bastiais. Parfois assez timides dans leur relance. En tout cas, ce que fait le Paris FC pour l'instant ce soir est très intéressant. Et montre une véritable réaction de cette équipe. À laquelle on promettait, ou presque, avant le début de la saison, un retour en Ligue 2. Et qui pour le moment est surtout en CFA. Même derrière Épinal. Épinal qui, selon les différents acteurs de ce national, est l'équipe qu'il faut toujours avoir derrière soi, qu'on soit relégable ou non, puisque c'est traditionnellement l'équipe repêchée par la DNCG. Ce fut le cas lors des deux dernières saisons. Le Paris FC qui est même derrière Épinal, c'est jamais vraiment bon signe. Alors qu'Hervé Liboyi a commis une faute sur Jackson Mendes, qui partait en contre. Hervé Liboyi averti à la 35e minute. Et vive contestation d'Hervé Liboyi. Hervé Liboyi qui a quand même la clémence de Monsieur Dos Santos qui il sort qu'un carton jaune. Quelques arbitres dans ce championnat auraient sûrement sorti une autre couleur. Monsieur Dos Santos s'arrête simplement à cette faute. Et donc le coup franc à 30 bons mètres sur la droite, brossé par Bobichon et capté facilement dans les 5m50 par Vincent de Marconnet. Coup franc qui aurait pu être bien plus dangereux, qui a finalement été très facile pour le gardien parisien. Relance à la main très rapide de Marconnet sur la gauche avec Massouema. On appuie avec Saïf Eddine à l'ami Baza pour rejouer sur Romain Marie. La petite passe aveugle pour retrouver un espace à 30 bons mètres du but sur Aden Massouema. Bon travail de Massouema, ça reviendra sur Demba Camara avec un peu de réussite. Et par contre la course de Massouema dans le dos de Demba Camara n'était pas la meilleure. Il appelle le ballon vraiment dans le dos de Camara alors que le numéro 9 parisien avait senti plutôt l'espace entre l'arrière gauche et le défenseur axial gauche. Massouema s'était pas vraiment calé dans la bonne zone. Et ballon qui a été donc facilement récupéré par les Bastiais. Et ils obtiennent même une touche dans le camp parisien sur la gauche avec Yann Le Picard pour effectuer cette rentrée de jeu. Un ballon qui est prolongé par Pierre Hadi. Derrière sur Quentin Lacour qui envoie un long ballon directement sur Frédéric Bong. Le dégagement qui revient dans le cœur du jeu avec Romain Beigné qui dégage sur Macamari qui s'écroule et a peut-être pris un petit coup. En tout cas, Alami Baza préfère jouer sur Romain Marie. Attention parce qu'il y a quand même deux joueurs qui restent au sol. Macamari et me semble-t-il Maguette Diongué qui sont touchés, qui restent au sol. Deux joueurs qui sont écroulés juste après ce gros duel aérien. C'est bien Maguette Diongué qui est resté au sol du côté Bastier. 37e minute. Et petit arrêt de jeu dans cette première période. Plutôt intéressante et plutôt rythmée aussi entre le Paris FC et le CA Bastia.
à noter à l'instant qu'il y a eu des buts sur d'autres pelouses de ce championnat national. On profite de cet arrêt de jeu pour soigner Maguette Diongué et surtout Macamari. Diongué, l'ancien de Cherbourg, avec notamment comme coach Marie Huriez, qui est devenu coach adjoint du stade Malherbe de Caen peu de temps après. Adjoint de Pascal Garande. Diongué a pu se relever, Macamari se relève finalement juste après. A noter qu'il y a désormais un but partout entre Sedan et Créteil. Sedan qui a ouvert le score à la 30e minute grâce à Simoté, défenseur central, mais les Cristoniens ont égalisé quelques minutes plus tard. Et buteur du 1-0 pour Béziers, Yohou, l'ancien, en tout cas ancien, plutôt prêté par la maison parisienne, par le Paris FC, à Béziers. Et Olivier Sarah et Bouya a inscrit le deuxième but du 14e de ce championnat national, un résultat qui n'arrange absolument pas les affaires parisiennes, puisqu'en plus, à défense particulière, Béziers est devant au bénéfice d'une victoire 1-0 un peu plus tôt dans cette phase aller. 1-0 grâce à un but de Ryan Abid qui était rentré en cours de match. On rend compte que Vincent Demarconnet avait disputé et il avait d'ailleurs été exclu après un quart d'heure pour une faute assez contestable d'ailleurs en dehors de sa surface de réparation. En tout cas, le jeu a repris. Macamari va bien mieux qu'il y a quelques instants et peut adresser un long ballon vers ses attaquants. C'était ressorti par la défense, Bastiez dans les pieds de Pierazzi. Massouema maintenant fait l'effort de garder le ballon. Bon travail physique de Massouema pour conserver ce cuir et rejouer sur Romel Marie. Sur sa gauche, Marie avec Nomen Janari pour revenir légèrement dans l'axe avec Eden Massouema qui retrouvait Romel Marie, pardon. Une solution sur la droite avec Macamari qui s'est rendu disponible. Macamari qui garde ce ballon, qui va piquer finalement ce cuir dans la surface. C'était vers Rodrigue Bongui. C'est un tout petit peu trop long et c'est facilement capté par Geoffrey Baltus à 5 minutes du terme du temps réglementaire de cette première période. Toujours ce score nul et vierge. On va dire, un peu comme en boxe, que pour le moment c'est le Paris FC qui mène au point. C'est un petit peu plus logique au vu de cette première période de voir les Parisiens ouvrir le score. Même si on sait, même si on connaît ce championnat national sur les antennes de joueurs de sport pour vous le proposer depuis désormais cette saison. Que la logique est nationale, parfois ça ne fait pas bon ménage. Il n'y a qu'à voir la semaine dernière Créteil face à Avranches qui menait 2 buts à 1. Avec un véritable miracle, Christian qui n'avait rien fait pendant 67 minutes avant donc le premier tir de la rencontre et qui 10 minutes après menait 2 buts à 1 face à des Avranchinais qui étaient pourtant bien supérieurs sur l'ensemble de cette rencontre. Pour le moment c'est donc Paris qui est plutôt dominateur avec un deuxième corner de la rencontre sur la gauche. Sortons avec Nomen Janari, c'était frappé au niveau des 5m50 et Nomen Janari va avoir une seconde chance. Puisque c'est Yann Le Picard qui remporte le duel face à Frédéric Bong, mais il remporte le duel en concédant un nouveau corner. Ce sera donc le deuxième de suite sur la gauche pour l'ancien Lensois. Ancien joueur aussi d'Avion, international malgache. Toujours avec son pied gauche, toujours sortant, quasiment au même endroit. C'est encore une fois prolongé par une tête. Et Nomen Janari va plutôt remettre le ballon dans la surface de réparation. C'est un ballon en cloche qui est assez facile pour Geoffrey Baltus, mais qui manque complètement son dégagement du point. Est-ce que Pandore va récupérer le ballon face à Massouema? En tout cas, Pandore passe à peu près devant à la course. Et il est surtout bien bloqué par l'ami Baza qui va garder ce ballon dans le terrain. Malgré une glissade, l'ami Baza fait un très très bel effort. Et il va contraindre surtout Pierre-Étienne Lemaire. L'arrière droit Bastia a concédé une rentrée de jeu effectuée rapidement par Nomen Janari sur Demba Camara. Demba Camara en retrait avec Romel Marie, le centre du pied gauche à terre de Romel Marie. Dégagé par Quentin Lacour, ça reviendra dans le tas avec une tête de Macamari, tête dégagée, prolongée par Benny dans le rond central. Pierazzi va plutôt remettre au sol, bien joué de la part de Pierazzi avec Massouema. Marie sur la gauche qui s'appuie encore une fois sur Demba Camara. Bon travail toujours dos au jeu de Demba Camara avec Alami Baza. Nomen Janari, Nomen Janari qui sent le retour de Pandore et qui utilise sa technique, très bien joué aussi de la part de Nomen Janari pour écarter finalement avec cette frappe. Signé Jean-Baptiste Pierazzi, la très belle remise de Bongui pour permettre à l'ancien joueur de l'AC Ajaccio de se mettre en position de frappe. Une frappe légèrement contrée par Quentin Lacour qui prend un effet plutôt étrange, plutôt flottant. Un ballon qui va sortir finalement juste à côté du poteau gauche de Geoffrey Baltus. Quatrième corner du match pour les Parisiens, Nomen Janari, c'est rentrant. C'est boxé par Baltus, c'est prolongé par la tête de Maguette Diongué à l'entrée de la surface, côté droit. Récupération donc parisienne, et le centre dans la surface par contre ne donne absolument rien à tel point que Geoffrey Baltus
nous fait un petit contrôle poitrine pour s'assurer le gain de cette balle. Un peu plus à l'aise avec la poitrine qu'avec le poing quelques secondes auparavant. Geoffrey Baltus. Comme quoi la logique et le national, parfois ça ne fait pas bon ménage. On s'attend à avoir un gardien un peu plus autoritaire qui peut boxer sereinement le ballon du point ou des deux points. Il a fait une sortie limite catastrophique il y a une petite minute. Et cette fois-ci, le jeu long. Camara qui vient disputer le duel. Va contrôler de la poitrine avant de capter ce cuir. 2 minutes pile à jouer. Avant la fin du temps réglementaire de cette première période, Paris FC 0. C'est à Bastia 0. Et le PSC encore une fois à l'attaque avec Rodric Bongui qui sur du gelon remporte ou presque le duel aérien face à son adversaire Pierre-Etienne Lemaire. Un ballon qu'il prolonge finalement juste derrière lui sur Geoffrey Baltus qui peut dégager rapidement du pied droit. Ça arrive sur Romain Marie qui reprend le ballon de la tête devant Camara. Marie toujours contre le poitrine dans la course de Marie pour essayer de rejouer vite vers son attaquant Demba Camara. Le jeu long était intéressant, mais ballon qui sort surtout en touche. Les Bastiais perdent très rapidement le ballon, tout de même depuis le début de cette rencontre, sur toutes ces phases de jeu un peu arrêtées sur les côtés. On sent des Parisiens qui tactiquement sont très appliqués ce soir. Ils ferment très bien les espaces, ils ferment très très bien les angles aussi de frappe ou de centre quand il peut y en avoir. Et les Bastiais sont pour le moment contraints de se précipiter sur Camara, tel point que Camara n'occupe pas toujours une position en attaquant de pointe, mais il redescend énormément dans les couloirs. Il permute aussi avec Jackson Mendes. On a un coup Camara vraiment en pointe, un coup Mendes sur le côté. Deux joueurs qui ont essayé de peser tour à tour sur cette défense parisienne, alors qu'on a encore 30 secondes à jouer en première période. On aura sûrement une 2 minutes de temps additionnel à jouer, alors que Camara est servi côté droit de la surface. Camara qui était dos au jeu et le ballon était pourtant très bon. Il marche sur le cuir, il va devoir revenir derrière aux 30 mètres avec Nomen Janari. Hervé Liboyer, 40 mètres du but sur la gauche, qui va prendre le temps de jouer long vers Romain Marie sur ce côté gauche. Ça reviendra finalement plein axe avec Alami Baza qui a voulu rejouer sur Aden Massoma. Un ballon dégagé par Lemaire sur la droite avec Macamari qui peut centrer. Le ballon est contré, va être surtout boxé par Geoffrey Baltus. Prolongé de la tête pour Romain Beignet. Romain Marie va essayer de passer devant Camara, va surtout contrer le dégagement de Camara. On aura donc 2 minutes de temps additionnel minimum et on est dedans. Et ballon dégagé sur Pirazzi derrière la ligne médiane. Pirazzi pour jouer long vers Demba Camara qui a fait un très bon contrôle poitrine d'eau. Demba Camara, 25 mètres dans l'axe. Camara qui crochette, qui se remet sur le pied gauche et sa frappe est contrée par Romain Beignet. On revient quand même dans les pieds de Rodrigue Bongui en percussion. Rodrigue Bongui qui rentre dans la surface sur la gauche. Un ballon qui est prolongé finalement sur Aden Massoma. Toujours un parisien pour aller disputer le second ballon. Massoma qui peut centrer. Ah, ça va être renvoyé par la défense bastiaise. Belle intervention de Quentin Lacour. On appuie sur Bobichon, mais derrière le dégagement de Yann Le Picard est complètement manqué. Et c'était très bien vu de la part de Domaine Jeanne que de rester aux avant-postes, rester devant son adversaire pour contrer le ballon. Sauf que sur ce ballon dégagé, Yann Le Picard semble s'être blessé. En tout cas, a pris un petit coup. Alors, entrée de jeu va quand même être parisienne et effectuée par Maka Marie. Encore quelques secondes à jouer dans le temps additionnel de cette première période. Alors entrée de jeu sur Demba Camara. Macamari lève un petit peu le pied pour remettre sur Camara. Ça revient dans la surface avec Alami Baza qui frappe. C'est contré encore une fois par Romain Beignet. Et c'est sur cette action que Monsieur Dos Santos siffle la mi-temps. Score de 0 à 0 entre le Paris FC et le CA Bastia. Une première période assez intéressante des joueurs parisiens qui montrent un visage bien plus intéressant que celui qu'on a pu voir lors des dernières rencontres à domicile. On sent quand même qu'il y a un regain de confiance avec cette victoire face à Belfort 2 à 0 le week-end dernier. On sent que les Parisiens veulent bien finir cette phase aller et surtout vont tenter de sortir de la zone de relégation ce soir. Mais il faudra un petit peu moins de jeu direct aussi sur Demba Camara, un peu plus de patience. Et continuer d'user l'adversaire par des redoublements de passes au sol, par des vraies combinaisons. Parce que les Bastiais ce soir sont plutôt amorphes, hein. C'est pas une équipe qui a énormément le ballon, qui joue beaucoup, tandis que les Parisiens ont vraiment un coup à jouer ce soir et il vaudrait mieux le jouer à fond ce coup, puisque les concurrents directs pour le maintien, oui, puisque le Paris FC joue bien le maintien, les concurrents directs pour le maintien font pour le moment des... qu'à 18h, Châteauroux-Lyon-du-Cher s'est joué, s'est soldé
Un score de 0 à 0. Concarneau mène 1 à 0 face à Avranches. On est dans le temps additionnel de cette rencontre. Belfort ouvert le score en fin de première période du côté de Marseille Consola. Belfort mène 1 à 0. 2 buts 1 pour Béziers, le premier non relégable face à Boulogne-sur-Mer. Quevilly mène 1 à 0 du côté de Dunkerque. Sedan, Créteil, un but partout. Et c'est même Créteil qui va ouvrir le score à la 29e grâce à Martin Mimoun. Deuxième but en deux rencontres pour Martin Mimoun. Égalisation une minute plus tard donc de Simoté. Et 0 à 0 entre Chambly et Les Herbiers. Un match d'ailleurs qui a été reporté dans cette journée. C'est Épinal-Pau. Épinal qui donc pour le moment est derrière le Paris FC avec un match en moins. Sauf que le Paris FC, en ne s'imposant pas, remonte à la place de premier relégable, remonte à la 15e place, mais à un point de retard sur Pau, et surtout, on aurait 3 de retard sur Béziers et sur Créteil, et même 3 sur Les Herbiers. Autant dire qu'il y a déjà un petit fossé qui commence à se faire sur ce bas de tableau. C'est le moment pour les Parisiens d'aller chercher au forceps une victoire ce soir et donc pas forcément de sortir de la zone de relégation, puisque dans le même temps Béziers fait un véritable résultat en battant Boulogne-sur-Mer, mais il faut au moins s'emparer avec un mieux qu'un match nul de cette place de 15e, puisqu'Épinal aura un match en retard à jouer l'an prochain face à Pau. On se quitte le temps de cette mi-temps 0 à 0 entre le Paris FC et le CA Bastia. On se retrouve d'ici, on va dire, 10 petites minutes. Thank you.
De retour en direct sur Jean de Sport pour la seconde période de ce PFC CA Bastia. Petit souci technique malheureusement pour reprendre l'antenne, mais vous n'avez, je vous rassure, absolument rien à rater de cette seconde période, si ce n'est 50 voire même plus, dans lesquels vous n'avez rien à rater de cette rencontre. Et en première période, il s'en est passé quelque chose d'intéressant, notamment du côté parisien, hein, avec des parisiens encore à l'attaque. Un centre un tout petit peu trop long pour aller retrouver Rodrigue Bongongui. Problème surtout du Paris FC concernant cette rencontre, concernant cette seconde période, c'est que les parisiens sont vraiment dos au mur. Ils sont contraints de s'imposer pour surtout ne pas être distancés dans cette quête du maintien. En tout cas, sortir de la zone de relégation. Puisque Belfort pour le moment s'impose, Béziers s'impose, et il y a un match en retard à disputer à la rentrée qui n'est autre que Épinal Pau. Match très dangereux dans le bas de tableau, très dangereux pour les équipes qui jouent le maintien. Épinal et Pau jouant naturellement ce bas de tableau et jouant la 14e place à la place de premier non relégable. Et bien il faut que les Parisiens prennent des points maintenant, prennent des points ce soir pour éviter d'avoir une bien mauvaise surprise dès la rentrée des Parisiens, qui d'ailleurs sont éliminés de Coupe de France, qui ne rejoueront en championnat que le 13 janvier prochain. En plus ils joueront à l'extérieur, ils joueront bien bien loin de Charletti, ils iront du côté d'Avranches avant de recevoir Sedan, puis Concarneau, un mois de janvier et début de février. Loin d'être évident pour cette équipe parisienne, mais il va déjà falloir bien finir décembre avec une victoire face au Bastier. 2 minutes de jouer dans cette seconde période, absolument rien à se mettre sous la dent, contrairement au début de rencontre qui a été assez intéressant, assez virevoltant, et les Parisiens vont devoir s'attacher à récupérer assez rapidement les ballons et surtout ne pas trop se précipiter comme lors des 45 premières minutes pour rejouer assez vite vers notamment Demba Camara. A noter aussi que du côté parisien, lors des 45 premières minutes, un premier changement a été effectué, c'était à la 22e, la sortie sur blessure d'Ousmane Sidibé, remplacé par Makamari. Attention, c'est à l'attaque avec Maguette Diongué pour une première frappe dans cette seconde période. Une frappe qui va passer bien au-dessus de la cage de Vincent de Marconnet. C'est la deuxième tentative seulement de cette rencontre pour le CA Bastia. Une deuxième tentative après le coup franc d'Antonin Bobichon aux alentours de la 25e minute, un coup franc qui était travaillé mais très facilement capté par Vincent de Marconnet. Le Paris FC qui a donc la possession du ballon, et comme toujours depuis le début de cette rencontre, on retrouve beaucoup de passes entre Liboyé et Bong avant que Bong n'allonge vers Demba Camara. Cette fois-ci est bien disponible à entrer sur phase de réparation. Camara le contrôle un petit peu long, Massouma pour rejouer sur Alami Baza qui rejoue sur Adama Massouma. Et surtout la parade de Geoffrey Baltus sur cet enroulé en première intention d'Eden Massouema. Première frappe cadrée dans cette seconde période. Et quelle frappe, quel jeu en triangle à l'entrée de la surface. Et c'est surtout une énorme parade de Geoffrey Baltus pour écarter le danger. 50e minute, 5e corner ce soir pour le Paris FC. Le 3ème sur la gauche, le 1er en seconde période, et est facilement renvoyé par Antonin Bobichon. Ce corner sortant frappé par Lalaina Nomenjanari. On revient derrière donc avec Romuald Marie. Et Romuald Marie ne prend aucun risque, il préfère retourner sur l'entrée de sa surface de réparation avec Vincent de Marconnet. De Marconnet temporise à son tour pour jouer sur Romuald Marie, le droitier converti latéral gauche ce soir, qui va obtenir une touche. Une touche qui est jouée par Nomenjanari en retrait sur Pirazzi. Pirazzi avec Hervé Liboyi, buteur du 2-0 le week-end dernier à Belfort. S'appuyer sur Massouema, Massouema avec Bongui qui a voulu jouer en retrait sur Makamari qui obtient la touche devant le banc Bastier. Bon, Bastier qui est plutôt calme d'ailleurs lors de la première période. On va essayer même banc parisien, je vous dis. Même le mauvais banc, en tout cas les Parisiens perdent le ballon dans la foulée. Et c'est un long ballon Bastier qui est arrivé directement sur la tête d'Hervé Liboyi, puis Pirazzi pour jouer sur Vincent de Marconnet qui en quelques instants a touché quasiment plus de ballons que lors de toute la première période. Et la pluie qui ne s'est pas non plus arrêtée sur le stade Charletti. Romuald Marie avec Hervé Liboyi. Hervé Liboyi pour écarter assez tranquillement sur la droite avec Makamari qui prend le temps de contrôler, de rejouer vers Rodrigue Bongui, légèrement poussé dans le dos par le Picard. Un ballon finalement dégagé par Quentin Lacour et contré par Alami Baza. La rentrée de jeu offensive
Ou presque, puisqu'elle est jouée bien longue par le Picard vers Dominique Pandore. Récupération du ballon de Frédéric Bong. Et surtout, faute de Bobichon sur Eden Maswema, qui attend que Dominique Pandore soit à distance pour s'écarter et laisser Makamari jouer ce coup franc rapidement vers Demba Camara, qui dévide la tête. Et c'est encore une fois dans le mauvais sens pour jouer sur un partenaire. Première période, c'était souvent Maswema et Alemi Baza qui n'arrivaient pas à récupérer des ballons déviés par Demba Camara. Cette fois-ci, c'est Nomen Janahari qui n'avait pas la meilleure des courses pour pouvoir récupérer la déviation. Et ce jeu en appui, en opposition, toujours très intéressant de la part de Demba Camara. Mais ça manque encore assez de mouvement pour pouvoir vraiment inquiéter la défense bastiaise. Il y en a eu 2 ou 3 lors des 45 premières minutes où l'arrière-garde du CAB était vraiment prise à revers. Il y a eu un mouvement aussi en seconde période, la 49e minute, conclue par la frappe enroulée d'Eden Moissemois, claquée en corner par Geoffrey Baltus. Autrement, le jeu d'appui de Demba Camara n'a pas une franche réussite. Allez, Alami Baza pour rejouer avec Eden Maswema devant le rond central. En appui avec Rodrigue Bongui, bien calé entre les lignes. Bongui garde le ballon. Il attend le soutien de Pirazzi pour décaler finalement sur la gauche d'Emba Camara qui n'est pas en position de hors-jeu. Camara dans la surface. Ah, il a un angle improbable pour frapper. Il tente quand même sa chance. C'est contré et capté. Ensuite par Geoffrey Baltus. 7e frappe du match des Parisiens. La 3e de cadré. Baltus pas inquiété cette fois-ci. Qui peut dégager très rapidement vers Dominique Pandore sur la gauche. Makamari imprécis sur sa tête. Dégage en touche. Et le touche effectué par le Picard. Ballon qui était pour Bobichon. Bobichon remet à son collègue arrière gauche qui a pu rejouer sur Pandore. Pandore bousculé par Makamari. Elle obtient le coup franc qui sera frappé par l'ancien Nîmois. Il va avoir un long ballon à jouer dans la surface de réparation. Le numéro 14 du CA Bastia avec Camara, Mendes, Pandore notamment dans la surface de réparation. Et surtout ce ballon qui a été dévié par une tête parisienne. Dévié par la tête d'Eden Maswema en corner. Ce sera le tout premier corner d'ailleurs du match pour le CA Bastia. Un corner qui sera pour Antonin Bobichon sur le côté gauche. T'es vicieux ce coup franc, vraiment vicieux en retombant pile au 16m50 sur la droite de la cage de Vincent de Marconnet. Et prolongé par Maswema légèrement à côté du but parisien. Premier corner donc pour Bobichon. Il est rentrant. Il est surtout envoyé dans les 5-50 par la tête du capitaine Hervé Liboyi. Et le contre pour les Parisiens. La projection de Demba Camara vers l'avant avec Alami Baza qui s'était un petit peu arrêté. Il attend le soutien et c'est finalement une passe axiale facilement interceptée par Romain Beignet. Et ça passe par contre dans le couloir. N'est pas assez appuyé là pour aller retrouver, me semble-t-il, Jackson Mendes. Et pourtant il résiste aussi à l'ami Baza. Il va résister à Pirazzi aussi. Attention à l'accrochage d'ailleurs entre le Picard et Pirazzi. Monsieur Dos Santos va siffler en faveur des Bastiais et va sortir le carton. Ça sera de quelle couleur d'ailleurs ce carton? Ah, ça peut faire rouge. Ça peut faire rouge ce genre d'altercation. Le ballon qui est assez loin d'ailleurs du contact entre le Picard et Pirazzi. Les deux joueurs qui s'agrippent, qui se chaillent quelque peu. Et ce ne sera que le jaune pour Pirazzi, mais aussi pour Yann Le Picard qui semble pourtant le premier à accrocher son adversaire. Et Jean-Baptiste Pirazzi qui continue d'ailleurs de discuter quelque peu. Cette fois-ci c'est avec Geoffrey Baltus. En tout cas coup franc pour Bastia sur la ligne médiane, légèrement décalé sur la gauche. Et carton jaune pour Jean-Baptiste Pirazzi, mais aussi pour Yann Le Picard. Carton jaune vraiment bête hein, pour les deux joueurs. J'aurais pu vraiment se passer de cette petite altercation. En tout cas, le jeu se poursuit pour les Bastiais. Angle droit de la surface. Et qui le frappe enroulé qui prend la barre de Vincent de Marconnet. C'était très très bien joué là de la part de Maguette Diongué qui repiquait à l'angle droit de la surface. Frappe enroulée qui part au second poteau. De Marconnet battu, accompagne ce ballon et va surtout être heureux de le voir heurter la barre transversale. Ça s'anime en seconde période, ça s'anime enfin. 56e, toujours 0-0. Mais frappe Bastiaise sur la barre parisienne. Ce match, on le savait, on pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Il y avait un peu plus de chance que ce soit du côté parisien au vu des occasions en première période. Mais faut pas le faire basculer dans le mauvais sens avec un nouveau carton
qui va être sorti par Cédric Dos Santos, l'officiel de cette rencontre. Carton jaune pour Eden Massemois qui tacle en retard Yann Le Picard. Le joueur qui avait accroché il y a de cela de petites minutes, Jean-Baptiste Pierre a dit. Ah, il a été bien séché au niveau des bancs de touche. Au niveau du banc parisien relevé par Régine Ladret, qui a été, je vous rappelle, adjoint à Bastia, l'autre Bastia, le Sporting, adjoint de Frédéric Hans. Et donc, nouveau carton, 57e minute. Ça s'anime vraiment. Troisième carton parisien après l'avertissement pour Arvidi Boguet à la 35e. Et donc, le carton pour Pierre Hadzi à la 55e. Et les Bastiais qui ont voulu jouer très long vers Camara juste après cette faute, ce coup franc joué assez vite. Ça ne donne absolument rien. Renvoi 5m50 pour Vincent Demarconnet. 57e minute, 0-0 entre le PFC et le CA Bastia. Et ballon pour Emmanuel Marie dans son couloir gauche, dans le camp adverse. Il a voulu rejouer très vite vers Nomen Janari. Nomen Janari est au duel à l'entrée des 5-50, qui va obtenir le corner face à Quentin Lacour. Quentin Lacour qui n'a pris aucun risque sur cette phase de jeu. Et qui, sous la pression de l'ancien Lensois, a préféré prolonger ce ballon directement au corner. Déjà le 6e pour les Parisiens ce soir. 4e sur la gauche, toujours Nomen Janari. Pour un corner sortant. Toujours du monde dans la surface de réparation. Bastiais, ça va filer. Quasiment au point de pénalty. Neba Camara sautait plus haut que tout le monde. C'est finalement Bong qui va remettre sur Nomen Janari qui s'était bien replacé. Il n'est pas hors jeu. Nomen Janari peut encore une fois centrer vers Neba Camara. Le timing là, du saut de Camara n'était pas bon. Et c'est un ballon qui est renvoyé par la défense Bastiais sur Rodrigue Bong qui fait le travail là pour s'écarter sur la droite. Revenir sur Eden Massouma. Le centre de Massouma. Contact là de Jean-Baptiste Pirazzi sur Geoffrey Baltus. Baltus reste au sol et Jean-Baptiste Pierradi qui va de suite voir le gardien Bastiais. Bon, le choc a été plus spectaculaire qu'autre chose hein, puisque Baltus peut se relever. Attention puisque Pierradi a quand même été averti. Attention à ne pas voir M. Dos Santos devenir bien sévère au cours de cette seconde période. Alors que les Parisiens remettent beaucoup de rythme et d'intensité. Depuis le retour des vestiaires, on en est revenu d'ailleurs depuis 14 minutes. Ce début de seconde période est vraiment plaisant. La première période n'était pas non plus horrible. Manquait un petit peu d'occasion, il est vrai. Mais on n'avait pas eu la première période la plus méchante de cette première partie de saison sur les matchs du Paris FC à Charletti. On a eu bien pire, notamment le match face aux Herbiers, où il ne s'était absolument rien passé, excepté une barre transversale touchée par la Leina Nomen Janari. Les Parisiens, encore une fois, l'attaque. On réclamait une main. Il y en avait une, deux mains. Et ça réclame, d'ailleurs, la main dans les tribunes du stade Charletti, en tout cas dans la tribune ouverte ce soir, avec les quelques 200 spectateurs. Le club parisien, qui, d'ailleurs, est plutôt discret dans cette seconde période. On aimerait bien avoir un petit peu plus d'ambiance et pas seulement quelques réprimandes envers le corps arbitral. Alors que Frédéric Bong remporte son duel à l'épaule à l'instant face à Oumar Camara qui aurait pu être servi dans l'espace, être servi dans la profondeur. Ballon récupéré donc par Vincent Demarconnet qui écarte sur Romain Marie. Déjà un peu plus d'espace d'ailleurs du côté parisien pour pouvoir profiter là des quelques errements défensifs des Bastiais. Elle a mis Baza servi qui en revient sur Romain Marie, ligne médiane côté gauche. Romain Marie temporise, se remet encore une fois sur le pied droit pour allonger vers Demba Camara. La remise est juste en retrait pour Alami Baza. Alami Baza n'a pas vu par contre Nomen Janari complètement seul sur le côté droit. Et forcément derrière Pierre Hadzi envoie le ballon directement sur un joueur Bastia qui avait très bien fermé l'espace, fermé sa zone. Et dans la foulée, Jolon Bastier, poussette sur un Véliboyer, coup franc obtenu par le Paris FC pile à l'heure de jeu. Et toujours avec ce score, nul et vierge de... Ça a bougé. Sur d'autres pelouses de ce national, ça a bougé juste avant la pause d'ailleurs à Dunkerque avec l'égalisation de Merrick Chukunte, 45e plus 3. Chukunte permet à Dunkerque d'égaliser donc face à QRM qui a ouvert le score à la 5e. A noter aussi un but, c'est du côté de Chambly. Les... Un but l'ancien Damassar, alors que le Paris FC, le temps de faire ce petit tour des salles, va ouvrir le score avec Alami Baza. Le frappe de Nomen Janari qui a été bien mal renvoyé par Geoffrey Baltus. C'est revenu dans les pieds d'Alami Baza, parti dans le dos de la défense. Une défense bastiaise qui était complètement amorphe.
qui a laissé les Parisiens plonger dans son dos. Et Alami Baza en profite et bat Geoffrey Baltus en glissant le ballon sous son corps. Et ensuite en mettant le ballon dans le but grand ouvert, dans le but laissé vide par le gardien Bastier. Un but qui vient de nulle part à la 61e. Un but qui permet au Paris FC de mener assez logiquement un but à zéro grâce à Alami Baza. Comme toujours en 40e minute. Et bingo, but parisien. On a failli le rater d'ailleurs, ce but d'Alami Baza. Au moins on a bien vu le ballon arriver au fond du filet de Geoffrey Baltus. Les Parisiens qui faisaient ce qu'il fallait sur l'ensemble de cette rencontre pour pouvoir ouvrir le score. Les Parisiens qui ne sont pas pour autant tirés d'affaire, loin de là, puisque Belfort mène à Marseille, puisque Béziers mène à domicile face à Boulogne. Mais en tout cas, Paris s'est mis dans une position un peu plus favorable pour entamer les 30 dernières minutes de ce match. 63e, Rodrigue Bongui à l'attaque pour décaler le ballon sur la gauche, pourquoi pas, avec Romain Marie. Il a préféré attendre un petit peu. Romain Marie servi, qui peut rejouer sur Bongui. Belle talonnade dans l'espace pour son numéro 7. À son tour à l'arrêt, mais qui peut rejouer derrière sur son buteur, Saïf Edine Alami Baza. Et désormais, c'est Pierre Adzi pour rejouer derrière avec Hervé Liboyi. Frédéric Bong, qui peut rejouer sur Nomen Janari. Nomen Janari qui garde ce cuir, qui fait un peu l'essuie-glace au milieu de terrain pour pouvoir finalement décaler Romain Marie bien seul dans son couloir gauche. Marie qui a le temps de contrôler, qui se met en position de centre. Et bien ce centre est plongé par l'ami Baza, second poteau. Massouma se remet sur le pied droit. Massouma par contre va complètement manquer sa tentative. C'est largement au-dessus du but de Geoffrey Baltus. 10e frappe parisienne ce soir. Il y en a 5 de cadré. Mais pour une fois, on peut quand même dire, ici à Charletic, il y en a une qui a fini au fond des filets. Et en plus... ça permet au Paris FC de mener désormais sur ce score de 1 but à 0 face au CA Bastia, 5e de ce championnat national au coup d'envoi de cette rencontre. Allez, récupération du ballon quand même de Romain Beignet, un peu bousculé par Demba Camara. Il obtient le coup franc, un coup franc qui va permettre au Bastier de se replacer, de respirer un instant, et qui commençait un petit peu à souffrir dans cette seconde période et qui ont logiquement craqué. Il faut le dire, craqué sur une situation où la défense était complètement aux abois et absolument pas attentive. Faut le dire, hein, qu'il laisse vraiment des espaces là, les Bastiais, dans cette seconde période. Mais attention quand même à ce ballon là pour le Picard. Le Picard qui résiste à quelques joueurs, qui va surtout buter sur le physique de Macamari. Et le Picard en soutien peut essayer de reprendre ce ballon. Zone un peu fermée quand même au poteau de corner. Et la Laïna Nomen Janari peut dégager sur Antonin Bobichon, qui est transmis en retrait à Quentin Lacour pour revenir dans l'axe sur son partenaire Maxime Joss. Maxime Joss avec un long ballon du pied droit, c'est très facile pour Vincent de Marconnet, 65e minute. 1-0 pour Paris FC face au CA Bastia. Allez, long ballon de Vincent de Marconnet qui arrive sur le côté droit avec Nomen Janari en percussion très de la surface de réparation, qui va glisser un petit ballon pour Demba Camara. Camara encore avec Nomen Janari qui se remet sur son pied gauche. La belle passe de l'extérieur du pied pour Masquema. On a tenté le 1-2 un petit peu ambitieux à l'entrée de cette surface de réparation. Et belle présence surtout de Quentin Lacour qui ne se jette pas, qui attend que ce ballon revienne vers le joueur parisien pour dégager et surtout permettre ensuite à Jackson Mendes de se faufiler sur le côté gauche, de partir en compte, de pouvoir centrer au second poteau. Romain Marie peut dégager de la tête. Il aurait pu rejouer sur De Marconnet. Il a surtout concédé le corner, le deuxième du match pour les Bastiais. Un corner qui sera effectué après le premier corner de la rencontre du côté du CA Bastia, avec la sortie du capitaine Romain Beignet qui va être remplacé par Clayven Serrel. Premier changement de la rencontre du côté Bastier, avec donc l'entrée en jeu de RL. Et deuxième corner du match, Bobichon, c'est rentrant, c'est dans les 5-50, prolongé par un joueur parisien, prolongé par Eden Massouema. Il va offrir un nouveau corner à son adversaire du soir, cette fois-ci de l'autre côté, sur la droite. Un corner qui sera sortant pour Antonin Bobichon.
Corner sortant, mais toujours du danger. Maguette Diong est dans la surface de réparation. Quentin Lacour, Maxime Joss, Clivens Erel qui vient de faire son entrée en jeu. Numéro 18 qui a été buteur encore une fois lors de la dernière journée. Et ce ballon est surtout coupé au premier poteau par un Bastier qui était, me semble-t-il, Quentin Lacour. Derrière, Maxime Joss essaye au second poteau de cadrer une tentative. Ça a été surtout mis hors cadre par le défenseur central Bastier. Les Parisiens jouent très rapidement. Le revoit aux 5m50, se précipite peut-être un petit peu pour jouer vers Demba Camara. Long ballon imprécis qui revient sur le côté gauche de Dominique Pandore. Couloir fermé par Nomed Janari et touche récupérée par Dominique Pandore qui attend le retour de son latéral gauche. Latéral gauche qui sort là quelques instants pour se faire soigner. Il semble signer la Dunée, le numéro 19 Bastier, alors que la touche a été finalement effectuée par Pandore qui nous fait un numéro technique. Là sur le côté gauche, Dominique Pandore, oh là 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 là, numéro technique extraordinaire. Et le retour du théorème de commentateur, encenser un joueur pour que quelques secondes après il en fasse une bien belle. Il a confondu le passement de jambe et la passe en touche sur l'action Dominique Pandore. Il a tenté passement de jambe en passant d'abord le pied droit, le ballon. Surtout le bonheur de finir sur la piste de l'athlétisme avec le pied qui ne passe pas au-dessus du cuir mais qui passe complètement dedans. Hop, ballon en touche. Pandore qui avait haussé un petit peu le niveau technique de la rencontre l'a surtout dégradé en un instant avec ce passement de jambe pas vraiment efficace. Et dans le même temps, Yann Le Picard a pu être soigné pour son saignement de nez. Monsieur le délégué va juste vérifier que ce soit bon pour l'arrière-gauche Bastier avant de le faire entrer en jeu. Surtout que Monsieur Dos Santos siffle une charge dans le dos de Clivens Serrel sur Jean-Baptiste Pierazzi. Le Picard est donc prêt à revenir sur la pelouse. Après bien sûr avoir eu la vérification de Monsieur Dos Santos. 69e minute, 1-0 pour le Paris FC face au Serra Bastia. Le Picard pour revenir et le coup franc surtout pour les Parisiens. 30 bons mètres, on va même dire 35. Pour compter assez large, 35 bons mètres du but, gardé par Geoffrey Baltus, complètement excentré sur la gauche, avec Alami Baza, pour jouer ce coup franc dans le rond central sur Frédéric Bonk. Ça va faire ressortir toutes les défenses bastiaises. Pierazzi s'est intercalé, pourtant entre l'attaque et le milieu adverse. Il aurait pu rejouer vers avant, il préfère jouer en retrait sur son capitaine Liboy, qui joue vers Demba Camara. Le jeu en appui de Camara est intéressant finalement. C'est un ballon pour Nomen Janari qui va essayer de s'extirper là de la pression de Bastiaz plein axe. Il trouve un appui sur Pierazzi pour écarter sur Makamari sur la droite. Bon contrôle de Makamari qui a le temps de centrer au second poteau. La sortie un peu manquée du Geoffrey Baltus. Ballon en retrait pour Nomen Janari qui est pas sur son bon pied. Il est sur le pied droit, il tente quand même le lob. Camara prolonge et hors-jeu. Comment peut-il être hors-jeu? Comment peut-il être hors-jeu pour Demba Camara sur ce genre d'action? Ah, il part largement en avant Demba Camara. En partant un peu plus tard, il aurait pu arriver dans une position licite. Il était entre le gardien et le dernier défenseur. Le drapeau se lève assez logiquement et c'est dommage. C'est vraiment dommage, la balle de 2-0 là pour les Parisiens. Alors que Nomen Janari avait piqué un ballon assez intéressant, il manquait cependant vraiment de puissance. Et Camara fait preuve un petit peu d'impatience. Il se replace pas assez vite et surtout il va disputer un ballon qu'il n'aurait absolument pas dû disputer en étant largement en position illicite. Un but refusé pour hors-jeu à la 70e au Paris FC qui est extrêmement logique. Encore une sortie du point complètement manqué par Geoffrey Baltus. On a déjà eu une en première période qui n'avait pas été sanctionnée par les Parisiens. Celle-ci aurait pu l'être encore plus. Attention, vraiment attention à ces ballons pour le gardien Bastier. Les centres vraiment tendus à mi-hauteur ne sont pas du tout un cadeau pour le numéro 16 du CAB. Premier changement du côté de Paris FC dans cette seconde période. Je vous rappelle qu'il y en a eu un en première. C'est la sortie d'Ousmane Sidibé remplacé par Makamari. 22e minute, changement sur blessure. C'est l'entrée en jeu de Thomas Martin qui fait son retour dans le groupe et son retour maintenant sur les pelouses. Après quelques semaines d'absence, l'ancien Camblisien remplace Saïf Edine Alami Baza, le buteur du soir. Buteur à la 61e, changement à la 71e minute.
Un changement qui risque d'être un petit peu plus défensif avec Thomas Martin, même si c'est un milieu qui peut vraiment se projeter. Elle a inquiété son adversaire sur le plan offensif. Ça risque de densifier aussi un petit peu plus le cœur du jeu parisien et éviter de prendre des vagues. Thomas Martin pour son deuxième ballon. Le premier était du jeu long sans grande idée. Le second est plus intéressant. Il joue court sur Romain Marie qui peut revenir dans l'axe avec Eden Massouema. Porte fermée, plein axe. Et la passe est surtout contrée par Antonin Bobichon. Et les Bastiais jouent un tout petit peu trop vite vers l'avant, vers Oumar Camara. Ça revient assez facilement sur Vincent Demarconnet, sollicité par sa défense centrale, en l'occurrence par Frédéric Bong. Martin à nouveau avec Fred Bong, qui peut décaler Macamari sur la droite. Macamari joue long, c'est contré par les joueurs Bastiais, surtout contré par Lalaina Nomenjanari. C'est lui qui touche ce ballon en dernier et qui offre une rentrée de jeu à Yann Le Picard. Yann Le Picard qui fait sa touche au milieu de terrain assez tranquillement sur Antonin Bobichon pour écarter là-bas sur la droite avec Pierre-Étienne Lemaire qu'on a très peu vu au cours de cette seconde période. Le jeu long vers Claven Serrel. Il saute largement au-dessus de Romuald Marie. Serrel leur réclamait une faute, il ne l'obtient pas. C'est un petit peu jeté devant l'ancien champion national en 2015 avec le Red Star. Lui qui aurait pu aussi découvrir une autre montée en Ligue 2, c'était il y a de cela quelques saisons, c'était en 2012-2013 avec le Poiré Survie. Un temps leader de ce championnat, un temps deuxième puis troisième, et le Poiré qui, à 9 journées de la fin, s'était incliné à Charletti et commençait à dire adieu à ses rêves de monter. Le club Genoa qui a finalement disparu de l'échelon national la saison dernière. Absolument pas assumer une nouvelle saison en national, mais Romain Marie, l'un de ses anciens de ce championnat, est toujours aussi bon. Il a pu rejouer avec Nomen Janari, entrée de la surface de réparation, décalage sur la droite avec Massouema temporise, rejoue dans l'espace avec Bongi qui peut frapper, mais c'est contré par le bon retour de Quentin Lacour. Il ne se jette toujours pas, Quentin Lacour, il défend toujours aussi bien debout et peut contrer cette frappe de Bongi et donner un nouveau corner aux Parisiens, corner numéro 7, le troisième sur le côté droit. Le troisième rentrant donc avec le pied gauche de Lalaina Nomenjanari. Il y aura quelques partenaires dans la surface. Ils ne seront que 4. Va-t-il les retrouver? Ou plutôt, Geoffrey Baltus, quand il met les deux points, c'est déjà plus efficace. Il peut boxer sur Jackson Mendes. Tentative de faute tactique de Jean-Baptiste Pierazzi. Le jeu se poursuit surtout avec un très long ballon. Très très long ballon, même trop long ballon de la part d'un joueur Bastiais pour Oumar Camara. Parce que ça arrive directement en touche dans le banc Bastier. Et la rentrée de jeu effectuée sur le côté droit avec Frédéric Bong sollicité par Macamari. Et puis Thomas Martin dans sa défense centrale pour rejouer avec Hervé Liboyi. En retrait avec Vincent Demarconnet, 75e minute. Score de 1 but à 0 pour le Paris FC et le jeu long qui est arrivé sur Camara. Puis récupération de Le Picard. Le Picard toujours qui a essayé de rejouer dans l'espace plein axe ou presque. Avec son partenaire Jackson Mendes, un ballon facilement gratté par la défense parisienne avant de repartir sur la gauche avec Romain Marie. Romain Marie qui voit Lalaina Nomenjanari disponible. Il écarte directement sur la droite. Et le Malgache en retrait avec Macamari. Attention quand même à ce ballon très mal donné par Pierazzi. Finalement bien récupéré par Macamari. Et Martin peut rejouer dans le rond central avec René Bondy. Ballon très intéressant pour les Parisiens. Si Bondy rejoue dans l'espace, oh, il n'a pas choisi de balle l'espace. Et surtout, quel tacle! Quel tacle beaucoup trop appuyé de la part de l'arrière droit Bastien, qui n'est autre que Pierre-Étienne Lemaire. Carton qui sera sorti par Monsieur Dos Santos. Encore une fois, doute sur la couleur tant ce tacle est beaucoup trop engagé avec en plus le pied décollé. Ce sera rouge! Rouge pour Pierre-Étienne Lemaire. Carton rouge tout à fait logique. Excellent engagement, pied décollé. Eden Massouema qui reste au sol. Et les Bastiais qui étaient déjà dans une passe bien compliquée, bien délicate ce soir. En manque de solution, en manque d'idées, sont désormais réduits à 10 avec ce carton rouge contre l'arrière droit Pierre-Étienne Lemaire. Gros fait de jeu, très gros fait de jeu à la 76e minute. Et surtout inquiétude pour Eden Massouema qui reste au sol à l'entrée de la surface de réparation. Arrêté fort logiquement pour voir si Eden Massouema peut reprendre sa place. En tout cas, Eden Massouema se relève. C'est un petit peu dur quand même pour Massouema.
Va-t-il sortir de la pelouse Massoma alors que le maire, pardon, est exclu? S'il a encore quelques soins à recevoir, il va forcément devoir quitter ses partenaires, sinon il peut rester sur la pelouse. A noter qu'il y a eu quelques changements au niveau des scores en national. Belfort mène désormais 2 à 0 du côté de Marseille Consola. Toujours 2 buts 1 pour Béziers à domicile face à Boulogne. Toujours un but partout entre Dunkerque et QRM. Toujours 1-1 entre Sedan et Créteil alors que Sedan est réduit à 10. Et autre équipe qui est à 10 contre 11, c'est Chambly à domicile, qui est mené 1-0 par les Herbiers depuis la 48e minute et la réalisation de l'ancien Red Starman Adam Assar. Massouema toujours soigné, cette fois-ci en dehors des limites du terrain. Un changement qui devait être effectué à Bastia avec l'entrée en jeu de Grimaldi. Ça se chauffe un petit peu sur les bancs d'ailleurs, hein. Ça se chauffe sur la petite zone technique avec notamment l'entraîneur des gardiens du CAB au niveau du bon touche parisien. En tout cas, coup franc entrée de surface, 20 mètres frappé par Camara, juste à côté de la cage de Geoffrey Balthus. Ce ballon qui était légèrement poussé par Nomen Janari. Et la lourde frappe, très lourde frappe du numéro 9 parisien qui va passer juste à côté de la cage Bastiais. C'était une balle de break, c'était une balle de 2 à 0. Et c'est finalement un score inchangé et changement pour Bastia, le deuxième, avec la sortie de Jackson Mendes, remplacé par Jean-François Grimaldi, l'un des anciens de cette équipe bastiaise. Allez, le renvoi 5,50 m de Geoffrey Balthus. Toujours cette pluie assez désagréable sur le stade Charletti qui vient mouiller les 22 acteurs, qui va mouiller la pelouse. Encore une fois, Monsieur Dos Santos qui siffle. Cette fois-ci, c'est une faute de Demba Camara sur Quentin Lacour. Le coude légèrement décollé sur un duel aérien. Et coup franc joué par les Bastiais avec Maguette Diongué qui était sollicité, qui peut jouer long vers Oumar Camara. C'est un ballon finalement récupéré et dégagé par la défense parisienne, dégagé en l'occurrence par Thomas Martin directement sur le côté gauche de Rodrigue Bongongui. Il a tenté le tout pour le tout pour récupérer ce ballon. Finalement, il le perd face à Maxime Josse et Quentin Lacour qui va rejouer sur la gauche avec le Picard. Ballon en retrait pour Balthus dans sa surface de réparation. Geoffrey Balthus peut dégager du pied droit, c'est très long vers Dominique Pandore. C'est surtout récupéré par Frédéric Bong. La passe pour aller retrouver Nomen Janari est plutôt bonne. Massouma fait même l'effort là de conserver ce ballon et rejouer dans l'espace, dans la profondeur avec Nomen Janari qui peut contrôler de la poitrine, qui arrive dans la surface de réparation, qui résiste au duel, qui passe en retrait avec Bongongui. C'est sauvé quasiment sur la ligne par Grimaldi qui vient de faire son entrée en jeu. Et nouvelle chance, pourquoi pas, avec Martin. Bongongui toujours. Bongongui bousculé, crocheté à l'entrée de cette surface par Quentin Lacour. Et très bon coup franc à venir pour le Paris FC. Rodrigue Bongongui qui était pas loin, vraiment pas loin du but du break. Et qui voit sa frappe être sauvée par Grimaldi qui venait tout juste d'arriver sur cette pelouse du stade Charletti. Tout premier ballon de Grimaldi, c'est un sauvetage sur la ligne. On n'est pas passé loin du 2 à 0 encore une fois. Espérons que dans les 10 dernières minutes, les Parisiens ne vont pas regretter toutes ces opportunités, toutes ces occasions face à une équipe bastiaise qui était en manque d'idées, en manque d'inspiration et qui en plus est en manque d'un joueur puisqu'elle a été réduite à 10 il y a de cela 5 minutes par Monsieur Dos Santos. Carton rouge contre Pierre-Étienne Lemaire qui avait séché, véritablement séché entre la surface de réparation. Eden Massouema coup franc sur l'arc de cercle, la surface de réparation légèrement sur la droite. C'est pour Thomas Martin, c'est enroulé, oh, juste à côté de la cage de Geoffrey Balthus. Il était resté d'ailleurs sur sa ligne. Geoffrey Balthus, il n'y a que ses yeux qui ont bougé pour accompagner ce ballon. Et déjà la 15e tentative du Paris FC ce soir, la 15e. Mais que 6 de cadré. Et surtout un seul but. Les Parisiens sont très loin d'être à l'abri face à, allez, on va dire, 300 spectateurs. 300 spectateurs au maximum ce soir. Allez, nouveau changement, le dernier du côté parisien. Parisien Bastier, pardon, avec la sortie de Maguette Diongué, remplacé par Koussalouka. Koussalouka qui fait son entrée en jeu pour les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Geoffrey Balthus pour le renvoi au 5,50 m. C'est arrivé directement sur Thomas Martin. Un peu de chance pour Hervé Liboyi pour pouvoir dégager ce ballon. Ça revient directement sur les Parisiens dans le milieu de terrain.
Après, que ce soit dégagé par la défense bastiaise, mais c'est un petit peu, je te la donne, tu me la rends. Avec quelques imprécisions techniques et surtout une position de hors-jeu de Demba Camara, alors que Massouema lui glissait le ballon dans l'espace. Quelques soucis vraiment de placement pour Demba Camara ce soir. Lui qui a eu le deuxième but de cette rencontre refusé pour une position de hors-jeu tout à fait logique. Mais il récupère le ballon. Il peut retrouver Massouema. 30 mètres plein axe. Massouema a voulu rejouer encore une fois vers Demba Camara, mais contre-favorable pour Bongui. Ce ballon qui est finalement récupéré avec un petit peu de réussite par l'arrière-garde du CAB, du cercle athlétique Bastier. Qui laisse beaucoup, beaucoup d'espace dans cette fin de match aux Parisiens, tant ils sont à l'abordage, là dans la moitié de terrain adverse. Petite faute éventuellement commise par le nouvel entrant Koussalouka. Le jeu en tout cas se poursuit. Monsieur Dos Santos plutôt clément sur cette action. Et Clayven Serrel à l'attaque, en percussion sur le côté droit. Il va se remettre sur le pied gauche, il va encore accélérer, il va même frapper. C'est capté par Vincent de Marconnet assez facilement. Et c'est même la première frappe cadrée de cette seconde période pour le CA Bastia. Il n'y en avait une qu'une dans cette rencontre. C'était juste avant la demi-heure de jeu. C'était un coup franc d'Antonin Bobichon. Et toujours autant de mal à retrouver correctement Demba Camara. C'est un ballon sur trou sur 4 qui est vraiment utile avec Demba Camara. Mais belle récupération de Pirazzi face à Koussalouka justement. Plein axe. Il va pouvoir accélérer. Décaler Nomen Janari. Nomen Janari va pouvoir éventuellement revenir sur son pied gauche dans la surface de réparation. L'enroulé était très facile à lire par la défense. Très facile pour Quentin Lacour qui s'est juste mis en opposition pour contrer cette frappe parisienne. La 16e de la rencontre. Et le Picard qui peut jouer très long directement sur Romel Marie. La tête de Romel Marie qui va rester dans le terrain avec Rodrigue Bongui. C'est un petit peu à l'emporte-pièce depuis quelques minutes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est brouillon, c'est désorganisé, mais c'est pas non plus déplaisant à voir puisqu'on a un peu d'activité ce soir, un peu d'action. Encore une fois de l'action avec Massouema. Demi-volée contre à l'entrée de la surface de réparation bastiaise. Le ballon ressorti par Dominique Pandore sur la droite avec Erel qui va devoir retrouver une solution. Le Picard réclamait le ballon sur son côté gauche. C'est finalement un ballon qui sera pour Erel. Petite faute commise par Thomas Martin. Petite faute tactique et coup franc joué rapidement par Dominique Pandore avec RL. RL qui peut accélérer sur son côté. RL qui va finalement buter sur Roman Marie. Il a tellement voulu obtenir le coup franc qu'il a complètement buté sur Roman Marie assez volontairement. C'était assez grossier de la part d'RL à 6 minutes du terme du temps réglementaire. Et ce n'était autre qu'un renvoi aux 5m50 pour Vincent. Comme sur quasiment toutes les phases de relance d'ailleurs depuis le début de cette rencontre, on peut noter vraiment ce progrès dans les relances. Beaucoup plus de justesse lorsqu'il s'agit de transmettre le ballon entre les 4 défenseurs, entre le piston aussi qui vient beaucoup plus bas, qui vient alimenter son milieu de terrain et son attaque. Sur ces relais de passe courte, en tout cas les Parisiens ce soir ont été très propres. Comme le dribble à l'instant de Camara qui était très propre. La frappe de loin par contre, très très loin d'avoir la même efficacité que l'enchaînement de passes et de dribbles. La frappe extérieure du pied droit complètement dévissée, complètement hors cadre, complètement ratée, complètement nulle. Mettez le terme que vous voulez, en tout cas à 5 minutes de la fin, c'était ni faire ni à faire de la part de Demba Camara qui aurait pu glisser le ballon, notamment sur la droite à Nomen Janari qui s'était encore rendu disponible. Surtout que maintenant c'est Pandore qui a le ballon, Pandore qui accélère, Pandore qui résiste à Thomas Martin, ou pas d'ailleurs, puisque Thomas Martin commet la faute. Ça ne trompe pas Monsieur Dos Santos qui a sifflé immédiatement en faveur du CA Bastia. 5 minutes, un petit peu moins d'ailleurs, à jouer dans ce match. Et attention à ce coup franc pour Antonin Bobichon, l'ancien croco, qui va avoir une véritable balle de 1 but partout. Coup franc à 25 bons mètres de la cage de Vincent de Marconnet. Bien placé pour un droitier. Et gros frisson sur ce stade Charletti. Avec Bobichon qui prend quelques pas d'élan, qui va enrouler dans les gants de Vincent de Marconnet, qui a même pu boxer ce ballon juste au-dessus de sa cage. Voici un gardien qui, ce soir, boxe correctement les ballons. Ça n'a pas été le cas de Geoffrey Baltus, loin de là malheureusement pour les Bastiers. Corner pour le Sabé en tout cas, c'est le quatrième de la rencontre. Le troisième obtenu sur la gauche, le troisième enroulé, le troisième devant le but. Et ce n'est même pas encore dégagé par la défense parisienne. Ça reviendra avec Bobichon, le centre du gauche, renvoyé par une tête à ras de terre
de la part du capitaine Hervé Liboyi, renvoyé sur le couloir droit puisque ça peut permettre maintenant à Demba Camara de lancer le contre avec Nomen Janari. Ça manque quand même de vitesse sur la transmission de balle et ça manque de vitesse dans la course aussi de Nomen Janari. Parfaitement repris à l'épaule par Camara qui avait fait l'effort. Oumar Camara, Rodrigue Bongui fait aussi l'effort défensif, pas de faute. Face à le Picard et derrière. Oh derrière ce tacle, il peut être sanctionné ce tacle de Bobichon. Oh il a mis énormément d'engagement, heureusement qu'il prend aussi le ballon. L'excès d'engagement parfois du côté Bastier quand même assez incroyable. Retiennent pas vraiment leur tacle par moment les joueurs du coach Rossi. Heureusement que Bongui ne se met pas en opposition pour conserver le ballon. Sinon il est complètement arraché par Antonin Bobichon. Ça n'a pas vraiment servi de leçon ce carton rouge pour Pierre-Étienne Lemaire à la 76e minute. Ça a encore plus débridé cette rencontre. Et de manière générale, la seconde période était déjà un petit peu plus animée, un peu plus débridée que les 45 premières minutes. Le Paris FC qui mène à 1-0, mais qui malheureusement est toujours englué dans le bas du tableau. Je vous rappelle un peu avec Belfort qui mène 2-0 du côté de Marseille Consola et Béziers qui mène 2-1 à domicile face à Boulogne-sur-Mer. En attendant, le match entre Épinal et Pau qui a été reporté à une date ultérieure. Des résultats qui n'arrangent absolument pas le Paris FC. Le Paris FC qui ne gagne qu'une place. C'est la place de premier relégable. 15e à la trêve. Pour le moment, le Paris Football Club a noté au niveau francilien que Créteil, pour le moment, est tenu en échec à Sedan sur le score de 2 buts partout en étant à 11 contre 10. Les mauvaises habitudes françaises en national ne se perdent pas loin de là. Allez, encore 2 minutes à jouer, 2 minutes à tenir dans le temps réglementaire pour le Paris FC face au CA Bastia. Long ballon de Bobichon sur le côté droit avec une position illicite de Grimaldi qui était entré en jeu comme arrière droit. Et les derniers changements à venir du côté parisien. Le dernier changement à venir avec l'entrée en jeu de Jonathan Nanizayamo. Nanizayamo qui va remplacer Demba Camara à 1 minute 20 du terme. 90 minutes réglementaires. On aura donc les deux anciens Lensois ensemble sur cette pelouse du stade Charletti pour terminer cette rencontre face au CA Bastia. Allez, long ballon qui a été dévié par la tête de Nanizayamo pour permettre à Eden Massouema calé entre le milieu et la défense bastiaise de se mettre en position de frappe. Mais sa tentative est encore bien loin du cadre. Et renvoie encore pour Baltus aux 5m50. 19 tirs du Paris FC quand même ce soir. 19 tirs. Malheureusement pour les Parisiens, il n'en a pas énormément eu de tirs cadrés. Et encore plus cruel ce soir. Le break aurait pu être fait bien plus tôt. Il n'a pas été fait. Ils sont toujours exposés. Un retour du CA Bastia au cours de cette rencontre. Alors que vous avez entendu 5 minutes de temps additionnel minimum. On y est entré à l'instant dans le temps additionnel. Donc de 5 minutes. 5 minutes et Quentin Lacour qui va commencer ce temps additionnel minimum avec une petite offrande pour les Parisiens. Un renversement de jeu sur la droite complètement manqué. Pourtant sur son bon pied, pourtant sur le pied gauche. Ça file directement en touche et Romain Marie ne va pas se précipiter pour effectuer cette rentrée de touche loin de là. Il a essayé de gagner quelques secondes pour pouvoir mettre ce ballon en retrait à son capitaine Hervé Liboyi qui a rejoué avec Demarconnet. Demarconnet avec Liboyi. Désormais Thomas Martin, long ballon en cloche vers Rodrigue Bongui. Déficit de taille, déficit de physique pour le numéro 7 parisien face à Maxime Joss. Il obtient tout de même la touche puisque Joss dégage sur sa droite. Ça profite à Romain Marie qui effectue la touche sur Jonathan Nanizayamo qui a été un peu plaqué, mis au sol. Et Rodrigue Bongui aurait pu filer éventuellement vers la surface de réparation de Geoffrey Baltus. Il ne va pas se plaindre que Monsieur Dos Santos ait sifflé en sa faveur. Ça va permettre aux Parisiens de gagner encore quelques secondes alors qu'une minute a déjà été jouée dans le temps additionnel de cette seconde période, 1 minute sur 5 de jouer et le coup franc à 30 bons mètres pour Thomas Martin.
dans l'espace, sur la gauche, avec Bongi. On va essayer de s'enfermer pour gagner quelques secondes. Un peu dangereux quand même de le faire avec seulement 1 minute 30 de jouer dans le temps additionnel minimum d'une rencontre. On ne sait jamais. Si derrière il y a une possibilité de contre, autant repartir de derrière, faire circuler, obliger l'équipe adverse à presser pour prendre ensuite les espaces plutôt que de s'enfermer au niveau du poteau de corner. La rentrée de jeu en tout cas effectuée au poteau de corner sur la gauche avec Nanisa Yamo. Nanisa Yamo qui essaye de travailler en tenant Bobichon physiquement et il va concéder la touche justement puisque Bobichon joue les pieds de Nanisa Yamo. Très bien joué de la part du 14 Bastier et la rentrée de jeu effectuée rapidement sur une tête, c'était sur la tête de Koussalouka. Et derrière, c'était assez compliqué pour Grimaldi. Petit faux rebond, dégagement manqué. Ça touche sa jambe avant de sortir. Et la touche de Romain Marie, encore une fois, effectuée le long de la ligne en enfermant Jonathan Nanisa Yamo. Deuxième ballon de suite, perdu par l'ancien Lensois le long de cette ligne. Et la touche effectuée sur Romain Marie. Nanisa Yamo à nouveau qui va perdre le ballon. Et derrière, justement, c'est l'exposition au contre, à moins que ce ne soit récupéré par Aden Masuema qui va à nouveau s'enfermer. 2 minutes 30 de jouer dans ce temps additionnel. Masuema qui essaie d'accélérer le long de la ligne de touche. Il arrive au poteau de corner et il va s'enfermer pour garder ce ballon et obtenir le coup franc. C'est déjà mieux joué que les 2 ou 3 ballons précédents. Puisque Masuema travaille vraiment la défense adverse, essaie d'obtenir un corner ou un coup franc. Et il obtient justement ce coup franc puisque la faute avait été commise par Grimaldi. Grimaldi qui avait juste après son entrée en jeu sauvé une frappe de Rodrigue Bongongi sur sa ligne. Et quelques instants plus tard, il y avait surtout la position de hors-jeu de Demba Camara qui avait mis le ballon au fond des filets de Geoffrey Baltus après un ballon piqué de Nanisa Yamo. Demba Camara de Nomen Janari. Voilà, j'y pensais parce que forcément c'était un ballon dans les pieds de Nanisa Yamo qui va voir une très grosse faute être commise par Antonin Bobichon qui va prendre le deuxième carton rouge de cette rencontre après 4 minutes 20 de temps additionnel. Carton rouge pour un Bastier, le deuxième ce soir, et c'est un carton rouge pour Antonin Bobichon qui est arrivé avec la semelle en avant sur le joueur parisien. Ah, c'est même Grimaldi là qui prend le carton rouge. C'est Grimaldi qui est exclu par Monsieur Los Santos. Deuxième rouge de la soirée. Grimaldi qui avait pourtant permis à son équipe là de rester en vie dans cette rencontre. Et Grimaldi qui va revenir au vestiaire moins de 30 minutes au final après son entrée en jeu. Grimaldi exclu donc à la 90e. Plus 5 Grimaldi qui ne finira malheureusement pas pour les Bastiais cette rencontre. Bastia qui termine à 9. Et le jeu qui peut reprendre avec les Parisiens le long de la ligne opposée qui vont obtenir un nouveau corner. Et on va sûrement jouer là la dernière action de cette rencontre. Et c'était bien la dernière action sur ce corner avec la victoire parisienne, 1-0. Et on peut remercier du côté parisien Saïf Edine Alami Bazin qui inscrit un but qui fait énormément de bien pour le Paris FC à la 61e minute. Les Parisiens qui ont été plus entreprenants, plus vaillants que les Corses ce soir, qui fort logiquement s'imposent à 0 et qui en plus bénéficie de deux faits de jeu très importants. Le carton rouge contre Pierre-Étienne Lemaire à la 76e. Et l'autre exclusion, c'était il y a quelques instants, 90e plus 5 pour Jean-François Grimaldi. Les Corses qui ont fait part de beaucoup trop de frustration lors des dernières minutes de cette rencontre. En plus, eh bien d'une certaine insuffisance dans le jeu. Le Paris FC a pour une fois su profiter des erreurs de son adversaire et en plus a fait le jeu ce soir. C'est une très bonne chose pour les Parisiens. C'est en tout cas assez encourageant pour la phase retour, même si le Paris FC reste ce soir relégable dans ce championnat de National, puisque les autres résultats sur les pelouses de National ne sont absolument pas favorables de
ce Épinal Pau, terrain gelé, jugé impraticable dès hier soir par la municipalité spinalienne. Le Paris FC qui ne pouvait donc gagner une place avec un résultat favorable ce soir, qui la gagne puisque le Paris FC est 15e. Mais victoire de Belfort, 2 buts 1 à Marseille Consola, victoire de Béziers, 2 buts 1 à domicile face à Boulogne-sur-Mer. Et le Paris FC ne sort pas de la zone de relégation au terme de cette 17e et dernière journée de la phase. Allez, les autres résultats avec le match nul, un but partout entre Dunkerque et Quevilleron en métropole, un but partout entre Chambly, réduit à 10 contre 11 face aux Herbiers, Chambly 1, les Herbiers 1, égalisation Padovani à 74e, un peu plus tôt ce soir, Concarneau s'était imposé 1-0 face à Avranches, match à 19h, 0-0 entre Châteauroux et Lyon-Duchère, un match qui était à 18h, et enfin on termine en apothéose avec Créteil qui a 11 contre 10, s'incline, 3 buts à 2 à Sedan. On n'aura pas une soirée en national avec les deux clubs franciliens qui s'imposent en même temps, à croire que cette année c'est mission impossible. En tout cas, Créteil fait fort. Créteil fait très très fort en s'inclinant 3 buts à 2 à Sedan. On s'attendait beaucoup mieux de la part de Fournier qui, au courage, avait réussi culot face à Avranches. Réduit pour parvienne à mettre le but du 2 à 1 à la 82e grâce à Durimel, égalisation de Niakate à la 86e et 90e plus 2, c'est le roi qui donne un avantage définitif à l'équipe sedanaise. Sedan qui va gagner quelques points, hein, qui en a désormais 13 et qui reste malheureusement assez loin de Sedan, du Paris FC, un petit peu moins d'Épinal. 4 points de retard pour les joueurs sedanais sur Épinal. Sedan désormais entraîné par l'ancien coach de Marseille Consola, Nicolas Uzaï. Voilà donc pour cette soirée de National sur Jean de Sport. Victoire 1-0 du Paris FC face au Serbastia grâce à une réalisation de Saïf Edin Alami Baza. On se retrouvera le 13 janvier prochain pour du national, mais aussi de la Domino's Ligue 2. Beau programme dès le retour des vacances sur nos antennes avec Red Star Clermont, PFC Sedan, mais aussi PFC Sedan sera le week-end d'après, pardon. On aura Red Star Clermont et Créteil Marseille Consola pour reprendre une nouvelle année. Bonne fête à toutes et à tous, on se retrouve donc le vendredi 13 janvier prochain en 2017 pour de la Ligue 2 Red Star Clermont, mais aussi du National avec Créteil Marseille Consola.